Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode plus qu'attendu, effectivement, puisqu'il s'agit de StarCraft 2 Legacy of the Void, qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps à préparer. Et elle sera tout simplement en deux parties, puisque Legacy of the Void a la lourde responsabilité de conclure StarCraft 2, mais pas que StarCraft 2, également toute la saga StarCraft, à savoir StarCraft 1, Brood War, et bien sûr, évidemment, StarCraft 2 Wings of Liberty, Heart of the Swarm. Donc c'est un... C'est une tâche qui est très très lourde, très très lourde. Alors Legacy of the Void est sorti le 10 novembre 2015 et comme je l'ai dit, eh bien c'est la fin de StarCraft telle qu'on l'a connue, bien sûr, hein. On imagine qu'il y aura de prochains opus, ça fera l'objet de la conclusion de la partie 2. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir reparler de quelque chose. Wings of Liberty était centré, bien entendu, sur les Terran, donc les êtres humains. Heart of the Swarm était principalement centré sur Kerrigan et les Zerg. Legacy of the Void, cette fois-ci, est centré sur les Protoss. Alors tout d'abord, hein, je ne vais pas vous faire un dessin, mais c'était tout simplement pour revenir sur la campagne de StarCraft 1 avec la première campagne qui était Terran, la deuxième qui était Zerg et la troisième qui était Protoss. Et bien pour revenir sur cet arc-là, la conclusion était Legacy of the Void avec les puissants Protoss. Mais il faut revenir justement sur les Protoss. Alors bien sûr, j'ai fait une vidéo entière sur les Protoss. Je pense que j'en referai d'autres d'ailleurs, notamment j'avais promis celle sur les Purifiers. Mais il faut qu'on revienne sur un sujet qui est très important et qui va être totalement d'actualité pour la partie 1 et la partie 2. C'est comment fonctionnent les Protoss. Donc rapidement, les Protoss, en dehors d'être des êtres, des extraterrestres qui ont des années et des années d'avance, d'évolution par rapport à nous, simples humains, et que ce soit niveau évolution physique, mais également technologique, les Protoss, avant tout, c'est un mode de pensée, c'est un mode de fonctionnement qui est très très difficile à aborder dans un jeu vidéo, quel que soit le support, que ce soit du STR, du MMORPG, du RPG tout court. Ce qui est très difficile à imaginer, même pour nous, que ce soit sur en support film, jeu vidéo, c'est qu'en fait, en dehors du livre où on peut comprendre comment la pensée fonctionne, c'est vrai que c'est très dur à imaginer puisque les Protoss, bah déjà, n'ont pas de bouche. Donc pour exprimer des idées, etc., c'est plus délicat. Mais surtout, les Protoss, eh bien, ce sont des êtres qui fonctionnent par télépathie. Donc ils peuvent vous parler dans votre tête. Et c'est-à-dire qu'en plus de ça, les Protoss ont un autre système qui s'appelle le Kala, qui est cette espèce d'internet organique qui permet à tous les Protoss de communiquer entre eux, mais pas que par la pensée, juste en mode, bon bah voilà, oh tiens, ce soir j'aimerais manger des carbonara, ils ont pas de bouche donc ils peuvent pas. Et non, c'est aussi envoyer une gamme d'émotions. C'est-à-dire que c'est comme ça, je le rappelle, on va revenir dessus après, mais c'est comme ça que les Protoss ont arrêté de se faire la guerre. C'est un système, on va dire, un système quasi parfait, où en gros, eh bien, toutes les guerres au sein d'une race se sont arrêtées parce qu'en fait, bah, chaque soldat ne peut plus tuer son adversaire parce qu'il entend sa pensée, il reconnaît son histoire, etc. Et du coup, c'est un système avec une empathie extraordinaire. Si le mec, tu l'as jamais vu, il est en face de toi, il veut se foutre sur la gueule avec toi, bah, en fait, il va te raconter qui il est par la pensée. Et toi aussi, et du coup, comme tu le connais, tu vas faire « bah non, je peux pas te tuer en fait ». Et c'est comme ça que les Protoss ont arrêté de se faire la guerre. Donc c'est un système qui est très très délicat, et la lourde tâche que je vais avoir ce soir, c'est d'essayer bien sûr de le retranscrire, de le véhiculer, de lui faire prendre vie, on va dire. Alors tout d'abord, Legacy of the Void sort avec un panel d'univers étendu qui est assez violent. Tout d'abord, la cinématique bien sûr de Reconquête que l'on regardera juste après, qui est absolument superbe. C'était une de ses premières cinématiques, hein. C'était arrivé après Warlord of Draenor et donc Warlord of Draenor avec les nouvelles cinématiques animées. Eh bien, Legacy of the Void en aura une qui est absolument superbe et qui refait un petit peu l'historique des Protoss tout en nous rappelant la force, l'âge et toutes les grandes thématiques liées aux Protoss. Nous avons ensuite également une trilogie que j'ai lue et qui est absolument sublime. Franchement, que ce soit de tout l'univers Blizzard, c'est probablement une des trilogies que j'ai le plus adoré lire. C'est la saga du Templier Noir. Je n'en attendais rien et honnêtement, j'ai été estomaqué. C'est juste exceptionnel et si vous pouvez vous les procurer, alors ils coûtent un petit peu cher parce que bah, ils sont plus édités, mais honnêtement, ils sont exceptionnels ces bouquins. Et on comprend vraiment comment fonctionnent les Protoss, comment sont, on va dire, sont nés, les, comment sont, enfin,
comment a évolué la société Protoss, que ce soit les Protoss normaux, les Templiers noirs, etc. Je referai un point aussi bien sûr sur les différentes variétés de Protoss. Et nous avons également donc la BD que vous pouvez trouver. Je vous mettrai ça dans dans la description, et si jamais vous me le ferez penser en commentaire pour que j'édite tout ça. Nous avons la BD sur Artanis qui est assez sympathique, puisque l'univers étendu en fait nous permet de marquer le point, c'est-à-dire comment les Protoss ont évolué. Puisque dans Wings of Liberty, bah, c'est vrai que les Protoss étaient un petit peu présents avec Selendis, notamment le contact avec Selendis et donc l'exécuteur, donc le chef militaire des Protoss, d'ailleurs qui est la chef militaire des Protoss, enfin une figure féminine importante chez les Protoss, qui du coup était une amie de James Raynor. Mais le truc c'est qu'on avait à côté de ça sinon que des Tal'Darim, donc des autres Protoss qu'on connaissait un petit peu moins à Wings of Liberty, qui étaient juste des zélés d'Exelnaga. À côté de ça, on a dans Heart of the Swarm une colonie Protoss qui était attaquée par Kerrigan, hein, sciemment par Kerrigan d'ailleurs, qui était libérée du contrôle de l'Overmind, on va dire, et des Zergs. Donc c'est vrai que c'était un petit peu particulier, les Protoss étaient dans leur coin, on avait un petit peu zappé ce qui s'était passé. La trilogie du Templier Noir, enfin la saga du Templier Noir a permis de revoir un petit peu ce qu'ils faisaient, et notamment l'univers étendu avec les nouvelles et du coup la BD. Et la BD, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de nous parler un petit peu comment Artanis est devenu le chef des Protoss, eh bien on a également une explication, et ça c'est très drôle par rapport au gameplay, parce que Artanis dans Wings of Liberty avait une apparence un peu dégueulasse d'ailleurs, mais il avait une apparence spécifique. Et on nous explique pourquoi il a changé d'apparence, à savoir qu'il était... Bah, je vais revenir juste après, on reviendra sur son apparence, mais c'est assez drôle. Et du coup, les nouvelles, alors il y en a 5 des nouvelles qui sont parues pour Legacy of the Void. Il y en a 3 que je juge vraiment très importantes, les deux autres sont anecdotiques. Nous avons celle sur Alarak et les Tal'Darim. C'est vrai que les Tal'Darim à Wings of Liberty étaient très présents, mais au final, on se disait, bon, bah, c'est juste des Protoss un peu chelous, qui sont pas les Protoss que l'on connaît habituellement, et c'est tout. Et bien là, on découvre vraiment, avec Legacy of the Void, on a vraiment mis l'accent sur qui sont les Tal'Darim, comment fonctionnent-ils, et vraiment leur culture. Et du coup, il y a la nouvelle que j'ai retranscrit d'ailleurs, hein, des vidéos. Alors, il y a que celle sur Vorazun que je n'ai pas encore sortie, et les Templiers Noirs, mais je compte le faire, ne vous en faites pas. Mais sinon, les deux autres, donc il y a celle sur le Secteur 6, qu'on abordera dans la partie 2. Celle sur Roana et les Arches, ça c'est super important par contre pour bien comprendre ce qui est la Lance d'Adun, mais on y reviendra après. Et au final, celle sur les Sentiers de la Perdition, donc c'est sur Raynor quand il était jeune. J'avoue que je comprends pas ce que ça fait là. J'avoue que celle-là, je ne comprends pas. Si vous avez des théories dans les commentaires, n'hésitez pas. Je ne comprends pas en quoi c'est une nouvelle pour Legacy of the Void. J'avoue que je n'ai pas compris la thématique. En attendant, donc on va parler justement, parce que Legacy of the Void, eh bien, ça demande beaucoup de préparation sur l'amont qu'ont fait les Protoss pendant tout Starcraft 2, donc à savoir la deuxième guerre, et également, enfin de la deuxième guerre, donc le Wings of Liberty et Heart of the Swarm. Donc faut revenir dessus et pourquoi ils étaient autant absents. Donc tout d'abord, il faut rappeler comment fonctionne le système des Protoss, à savoir que, je rappelle que nous avons différentes variétés de Protoss, nous avons, on en a déjà évoqué un petit peu, on a les Kalai, donc ce qu'on appelle les Protoss d'Ayur, les Protoss classiques, ceux que vous connaissez le plus, donc les Templiers, hein, les Templiers d'Ayur, qui fonctionne avec un système de castes. Nous avons 3 castes. La caste, en gros, des guerriers, qui est la caste des Templiers. La caste des Kalai, à savoir les artisans. Et c'est comme ce sont les plus nombreux, c'est ce qui fait qu'on appelle ça les Kalai. Les Protoss d'ailleurs, on appelle ça les Kalai, ou parfois les Templiers aussi, puisque c'est la caste militaire. Mais en gros, c'est ces deux castes-là qui donnent le nom à la race d'ailleurs. Et nous avons ensuite les judicateurs, qui sont tout simplement les législateurs, les professeurs, etc. Donc ceux qui sont le savoir, on va dire, chez les Protoss. Donc ça, c'est les Protoss classiques, les Protoss qu'on appellera d'ailleurs, que dans la vidéo, j'appellerai Kalai ou Templier. Nous avons ensuite les Templiers Noirs, les Nerazim. Ce sont tout simplement les Templiers Noirs de Shakuras, à savoir des Templiers qui ont, eh bien, en gros, fait sécession avec les Templiers. Ah oui, j'ai oublié juste de le rappeler, les Templiers d'ailleurs sont dirigés par ce qu'on appelle le Conclave, ou plutôt étaient dirigés par ce qu'on appelle le Conclave. Conclave a été détruit pendant Starcraft 1, donc pendant la première guerre du premier contact, avec la chute d'ailleurs. Du coup, il a fallu remplacer cet organe politique, et c'est les Templiers Noirs qui ont recueilli les Templiers d'ailleurs, enfin donc les Protoss d'ailleurs, sur leur monde, Shakuras. Templiers Noirs fonctionnent bien différemment, on a les Templiers classiques d'ailleurs qui sont reliés tout simplement par ce qu'on appelle le Kala, donc cette espèce d'internet organique où on peut s'envoyer les pensées, etc. pour comprendre les émotions de chacun, et ce qui fait que, eh bien, on est...
c'est quelque chose de très sacré pour les Protoss, évidemment, puisque ça leur a permis de mettre, on va dire, leur passé guerrier, barbare, sanglant de côté pour s'élever dans la lumière du Kala. Les Templiers Noirs ont coupé ce lien qui les unissait, puisqu'ils considéraient que le Kala avait un poids beaucoup trop lourd également, c'est-à-dire qu'il sacrifiait, on va dire, l'unité. Enfin, il sacrifiait en fait l'individualité au profit de l'unité, mais une unité aveugle qui ne cherche pas à réfléchir. Du coup, ça les a, les Templiers Noirs se sont séparés de ce système, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont été taxés d'hérétiques, puisque bah, les Protoss d'ailleurs, eux, avaient failli, enfin, la race Protoss avait failli s'éteindre par justement ces guerres intestines, et le Kala avait permis de calmer tout ça. Donc c'est vraiment le système parfait. Du coup, les Protoss ne comprennent pas qu'on veuille sortir de ce système. Et c'est pour ça qu'ils ont chassé les Templiers Noirs. Les Templiers Noirs sont devenus des nomades, mais ils ont trouvé, on va dire, une planète capitale, Shakuras. Et du coup, quand Ayur est tombé à cause des Zergs dans StarCraft 1, les Templiers Noirs ont accueilli les Templiers. Ce qui fait que les Protoss d'Ayur et les Protoss de Shakuras se sont unis à ce moment-là, par la force des choses, par le combat, ils se sont unis et ont formé ce qu'on appelle une coalition, ce qu'on appelle les Delam. Et je sais, il y aura beaucoup de termes techniques dans cette vidéo, j'en suis désolé. Les Delam, du coup, eh bien, c'est tout simplement l'union des Templiers et des Templiers Noirs. Ce qui, je le rappelle, cette union a permis de vaincre la plus grande menace qui est représentée dans StarCraft 1, à savoir l'Overmind, hein, le Maître Esprit, qui s'est fait battre par l'union des Templiers et des Templiers Noirs. Donc ça, c'est les Delam. Sauf que les Delam sont amenés à évoluer, bien sûr, dans StarCraft 2, puisqu'il n'y a pas que ces deux populations Protoss. On en a d'autres. On a également les Tal'Darim, comme je les ai évoqués avant. Les Tal'Darim qui sont encore plus vieux, et pour plus de détails, la vidéo sur les Protoss, bien sûr. Mais en gros, les Tal'Darim sont, n'ont pas connu le Kala, ils sont encore plus vieux que ça. Et ces Tal'Darim-là ont suivi les Xel'Naga qui ont fui Ayur au début, on va dire, de l'histoire Protoss. Et ils sont devenus un peu les esclaves d'un des Xel'Naga qui est Amon, donc le Xel'Naga renégat ou le Xel'Naga déchu qui veut exterminer toute vie dans l'univers. Et ces Protoss-là se considèrent comme les élus, hein, c'est pour ça d'ailleurs Tal'Darim, ça veut dire les élus des étoiles, hein, les élus tout simplement d'Amon. Donc ces Xel'Naga-là, ces Protoss-là pardon, sont beaucoup plus violents. Je vous laisse aller voir évidemment la vidéo sur la nouvelle d'Alarak et le rite du Rakshir. C'est vraiment très violent, c'est vraiment le système méritocratique le plus, en gros, le plus fort dirige. Sinon les autres, bah, ce sont leurs esclaves, etc., etc. Donc tu montes dans la hiérarchie avec ce qu'on appelle la chaîne de l'ascension, mais j'y reviendrai après quand on parlera d'Alarak. Et nous avons enfin une dernière variété de Protoss qui sont les Purifiers. Ce sont des Protoss virtuels, des Protoss synthétiques. C'est première fois dans StarCraft qu'on est, parce qu'il y avait un petit peu ce système d'IA, mais c'était pas les vrais IA. Là, on a une vraie intelligence artificielle, à savoir un être synthétique qui a été créé, doué de conscience, doué de raisonnement, doué de philosophie et autres, et qui s'appelle les Purifiers, que l'on va découvrir avec Legacy of the Void, à savoir des Protoss donc synthétiques, cybernétiques, qui vont être chassés également, puisque ça sera complètement opposé aux valeurs, aux anciennes valeurs, traditions des Protoss d'ailleurs. Ce qui fait que ce sont les 4 grandes variétés de Protoss, et on y reviendra dans cette vidéo. Bien sûr, ils vont à un moment donné s'unir face à la menace que représente Amon. Mais pour le moment, les Delam que l'on connaît, eh bien, c'est tout simplement les Templiers normaux et les Templiers noirs. Et ils vont former ce qu'on appelle la hiérarchie, donc c'est la hiérarchie des Delam, hein. Mais c'est-à-dire, c'est juste le nom du système. Des fois, il y a la monarchie, la démocratie, là, c'est la hiérarchie, tout simplement. La hiérarchie, pour montrer justement qu'il y a cette espèce de... Voilà, au moment où notre monde s'est détruit, au moment où notre civilisation a connu quasiment l'extermination, eh bien, on va pouvoir s'appuyer sur quoi? Sur la hiérarchie, pour pouvoir survivre dans ces heures sombres, hein, les heures sombres que sont les Protoss, puisque je rappelle, ils ont perdu leur planète mère. En l'occurrence, c'est comme si nous, terriens, eh bien, on perdait la planète Terre et on devait se cacher sur une lune de Jupiter. Alors, on serait un petit peu déçus et on voudrait récupérer la Terre. Bah, c'est un peu le système pour les Protoss. Du coup, la hiérarchie est dirigée par ce qu'on appelle le conseil crépusculaire. En gros, le conseil de la hiérarchie. Et dans ce conseil, eh bien, comme vous le voyez à l'image, donc c'est un conseil de différents, on va dire, pontes de la société Protoss. La plupart sont des judicateurs, d'ailleurs, sont de la caste des judicateurs. Et nous avons bien sûr des Templiers Noirs. Donc nous avons le chef des Templiers Noirs, à savoir Mandar, qui va diriger et qui va représenter les Templiers Noirs. On a également Vorazun,
la future matriarche et surtout la fille de l'ancienne matriarche Razagal. Il y aura beaucoup de noms et je m'en excuse. J'espère que vous arriverez à suivre. Avec les anciennes vidéos, ça vous aidera bien sûr. Donc Razagal avait une fille. Razagal a été tuée par Zeratul. La fille s'appelle Vorazun. Vorazun en veut énormément à Zeratul à cause de ça, même si elle sait que Zeratul, eh bien, a été forcé de la tuer puisqu'elle était contrôlée par Kerrigan, mais bon, ça c'est des détails. Eh bien du coup, nous avons deux représentants des Templiers Noirs au sein de ce conseil crépusculaire, Vorazun et Mandar. Mandar, le chef des Templiers Noirs. Et nous avons ensuite, eh bien, plein d'autres, je vais pas tous vous les citer, mais nous avons notamment Selendis qui est l'exécuteur, donc le chef des armées Protoss. Et nous avons ensuite, et bien sûr, Artanis qui va devenir sous la direction de tous les conseillers. C'est le seul qui a fait l'unanimité et qui va être élu. Tout simplement, hiérarque, donc il va devenir le chef de tous les Protoss, Templiers et Templiers Noirs pour le moment, mais le chef de tous les Protoss, malgré d'ailleurs sa décision, parce que lui se considère comme un guerrier et il n'a pas pour ambition de diriger son peuple. Donc c'est un petit peu malgré lui, mais il est devenu le hiérarque, donc le chef de tous les Protoss. Donc ça c'est ce que je vous disais, et voilà à quoi ressemblait Artanis dans Wings of Liberty. Ça c'était sa, on va dire que c'était ses parures de dirigeant, de chef du conseil crépusculaire, et eh bien quand il va devenir hiérarque, il va récupérer sa nouvelle armure, et ça c'est expliqué dans la BD que je vous évoquais, et qui est assez sympathique, puisque ça explique en fait pourquoi on a un changement de design chez Artanis. C'est assez sympathique je trouve, et du coup il va accepter le fardeau, et ce qui est très intéressant, j'en ai déjà parlé sur la vidéo sur Wings of Liberty, Heart of the Swarm, Starcraft 2 fait énormément, une de ses grandes thématiques, quelles que soient les races, c'est, on va dire, je dirais pas la pédagogie, mais tout simplement l'idée de transmission, l'héritage que l'on peut porter. Et là, en plus, bah, c'est Legacy of the Void, donc l'héritage du vide. Et c'est pas pour rien, puisque l'héritage du vide, c'est l'héritage des Xel'Naga, donc l'héritage des créateurs, l'héritage de la source de la vie. Et on le rappelle, hein, les Protoss, on les appelle également les premiers-nés, hein, c'est les premiers-nés des Xel'Naga qui considèrent comme des dieux. Donc c'est pas rien. Et l'héritage avait été transmis par dans Wings of Liberty avec Raynor, Raynor et Tychus d'ailleurs, pour Matt Horner et Valerian Mengsk par rapport à Arcturus Mengsk. Dans Heart of the Swarm, on avait le lien très fort qui unissait Kerrigan et Zagara. Dans Legacy of the Void, bien entendu, l'héritage, la transmission se fera, on verra plus tard, par les Xel'Naga, hein, dans un premier temps, mais surtout aussi entre les anciennes grandes têtes, je dirais Protoss, vis-à-vis d'Artanis qui est devenu le chef des Protoss, et notamment bah, son maître Tassadar qui s'est sacrifié dans Starcraft 1, mais on a également Zeratul qui représente, on va dire, une personne très importante pour les Templiers Noirs, mais qui est devenue très importante aussi pour les Templiers tout court, hein, les Protoss tout court. Et nous avons bien entendu la légende des Protoss, Adun, et on y reviendra juste après. Adun, bien que mort depuis des années, hein, depuis des centaines d'années, eh bien, sera présent malgré lui, puisque eh bien, l'un des vaisseaux principaux, évidemment, s'appellera Adun. Donc, il y a vraiment cet héritage. Et Artanis, lui, il a jamais eu pour ambition d'être le chef des Protoss, et il se considère pas comme étant un dirigeant capable à l'heure actuelle, et c'est la force des choses qui va le faire prendre ses fonctions, on va dire. Nous avons ensuite quelque chose de très important qui se passe pendant Starcraft 2, donc pendant Wings of Liberty After the Swarm. Comme je vous en ai parlé, vous allez vous dire oui, mais ça tu l'en as déjà évoqué, etc. Où on va? En fait, le problème c'est que l'union des Templiers, donc l'union des Delames, donc l'union des Templiers classiques et des Templiers Noirs, a forcé tout ce beau monde à cohabiter malgré les préjugés et le passif raciste qui existe entre les deux communautés. Puisque les Templiers considéraient les Templiers Noirs comme des hérétiques, comme ils les appellent les déchus, hein. C'est vraiment l'idée, il y a vraiment eu un rejet, à tel point qu'on a failli avoir assisté à un génocide. Les Templiers Noirs ont été sauvés de justesse par Adun d'ailleurs, puisque sinon le Conclave avait ordonné l'extermination des Templiers Noirs. C'est pour ça que les Templiers et les Templiers Noirs vénèrent Adun, enfin honorent Adun comme un grand héros. Et les Templiers Noirs du coup se sont exilés sur Shakuras, et au final, eh bien, les Templiers Noirs ont leur propre culture, leur propre mode de vie, leur propre fonctionnement. Par exemple, les Templiers Noirs ne fonctionnent pas avec le système de caste qui existe chez les Protoss d'ailleurs. Du coup, eh bien, même chez les Templiers donc normaux, il peut y avoir des difficultés pour travailler avec des mecs que pendant toute ta vie on t'a endoctriné en te disant bah eux ils représentent le mal absolu, il faut surtout pas s'écarter du code du Kala parce que regarde sinon tu vas devenir comme ces saloperies là. Un jour ou l'autre t'es obligé de cohabiter avec ces mecs là, bah il y a encore des ressentiments qui existent alors que pas grand chose le justifie, mais c'est vraiment un endoctrinement qui a eu lieu.
côté Templier noir, c'est plus la difficulté du rejet. Il y a très peu de Templiers noirs qui sont suffisamment vieux pour avoir vécu le rejet. L'un des derniers Templiers noirs était Razagal, qui elle était jeune quand elle a connu justement la déchéance, hein, l'exil, le rejet. Mais la plupart des Templiers noirs, c'est leurs parents qui leur ont transmis ça, et ils ont toujours vécu dans la peur que les Protoss les traquent et les exterminent. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce système comme quoi les Templiers noirs sont très attachés à leur tradition, à leur culture. Et l'arrivée des Kalaï en masse, l'arrivée des Protoss d'ailleurs en masse sur chaque race, bien sûr, crée une espèce de conflit de culture entre les deux groupes. Et les Templiers noirs ont très peur que leur culture se fasse absorber par celle des Kalaï. Et du coup, les Nerazim, bah, justement, ont peur de ces choses-là. Donc il va y avoir une espèce de... Alors c'est pas une guerre civile, mais il va y avoir des conflits entre les deux communautés, et même au sein de leur propre communauté, notamment chez les Nerazim, où on va assister à des conflits entre les traditionalistes et ceux qui seraient un peu plus... C'est même pas, j'allais dire, les progressistes, mais en fait les progressistes des Templiers Noirs sont pas du tout en mode oui, on va se reconnecter au Kala, tout ça, tout ça. Non, pas du tout. Eux, justement, ils sont toujours dans les traditions Templiers Noirs. Mais il y en a en fait qui ont un rejet pur et cette peur que leur tradition disparaisse. Et ceux qui disent non, on a besoin de cette union, sinon... si on reste de notre côté, on va perdre, et ça, vous êtes censé l'avoir compris avec Tas Sadar. Donc, il y a vraiment des questions très thématiques, surtout à l'époque. Enfin, c'est des questions d'actualité évidemment, notamment ce qui se passe aux États-Unis avec les luttes entre communautés. Donc, c'est vrai que ce propos-là est très très important, même si c'est vrai que dans le jeu Legacy of the Void, on le verra avec certaines interactions avec Vorazun. Mais c'est surtout dans la nouvelle, bien entendu, je crois que c'est les Fils du Vide, les Children of the Void, donc la nouvelle centrée sur Vorazun, la fille de Razagal. Et c'est dans cette nouvelle que l'on apprendra la mort du chef des Templiers Noirs, à savoir Mohandar, qui était le père un petit peu par substitution de Vorazun. Et il va mourir lors d'un de ces conflits entre Nerazim, ce qui va laisser à Vorazun la place de chef de tous les Templiers Noirs, de matriarche des Templiers Noirs. Ce qui est un peu triste, parce que Mohandar aurait dû avoir un rôle plus important à Legacy of the Void, mais finalement, eh bien, il mourra dans une nouvelle. C'est un petit point que je trouve un peu dommage. J'aurais vraiment aimé que... Parce qu'au final, je spoil un peu, mais il n'y aura pas de grande perte dans le jeu vidéo Legacy of the Void, au niveau des figures emblématiques Protoss. Et je pense que faire mourir Mohandar dans le jeu aurait été peut-être plus intéressant, et nous aurait un peu marqué, justement. Ce serait « Ah mince, Mohandar, c'est triste », et on aurait un peu plus... vu le côté carnage et le côté difficile de l'assaut sur chaque race. Mais bon, là je m'avance un peu. Nous avons quelque chose de très important. Cette union des Templiers et des Templiers Noirs va amener... Alors là, je vais pas forcément dans la chronologie, hein, mais pendant cette période-là, nous avons tout simplement la construction de la plus grande flotte militaire de toute l'histoire et de tout l'univers de StarCraft, à savoir l'Armada Dorée, c'est-à-dire la flotte amirale Protoss, qui est, on va dire, le bijou technologique de l'union justement de la technologie des Kalaï, donc des Protoss d'Aiur, et celle des Nerazim, donc des Templiers Noirs de chaque race. L'union de leurs forces vont amener plein de nouveaux vaisseaux. Alors c'est déjà une justification de gameplay, hein, bien entendu, qui explique pourquoi il y a plein de nouveaux vaisseaux Protoss qui arrivent dans Wings of Liberty, Heart of the Swarm et Legacy of the Void. Mais c'est également dans l'histoire un moyen de rappeler que les Protoss, bien KFK j'ai envie de dire dans leur coin, eh bien préparent tout simplement une nouvelle lutte armée, et pas n'importe quelle lutte armée, puisqu'ils veulent récupérer leur monde natal, à savoir Aiur. Et même les Templiers Noirs, qui ont été chassés d'Aiur il y a des centaines, voire des milliers d'années, eh bien, aspirent à défendre Aiur, bien qu'étant bannis de cette planète. Et maintenant qu'ils sont tous unis, eh bien, les Templiers normaux aimeraient justement permettre aux Templiers Noirs de revenir enfin s'établir sur Aiur. Donc c'est... ça demande bien sûr la construction d'une armada pareille, demande énormément de ressources, ce qui va être une source de tension évidemment entre les Templiers et les Templiers Noirs, mais c'est vraiment le but principal des Protoss, se reconstruire une flotte de guerre qui pourra leur permettre de récupérer leurs anciennes colonies et leurs anciens mondes, et notamment bien sûr ailleurs. Lors des assauts, donc là c'est Wings of Liberty, je vous en ai parlé un petit peu, nous avons la Belle et la Grande, un de mes personnages préférés honnêtement de StarCraft 2, à savoir Celendis, l'exécuteur, qui était tout simplement l'exécuteur. Alors ça c'est pas sûr à 100%, mais on est sur du 90%, que ce soit l'exécuteur, c'est assez confirmé dans la saga du Templier Noir d'ailleurs, que Celendis serait l'exécuteur, donc le personnage joueur de la campagne Brood War de StarCraft 1, donc c'est-à-dire l'exécuteur, donc le chef militaire de tous les Protoss. Et Celendis, eh bien, va faire une apparence à Wings of Liberty,
pendant les assauts, pendant la, au moment où Kerrigan n'a pas encore été libéré, Kerrigan était toujours devenu, enfin était toujours cette la reine des lames, hein, ce qu'on appelle la reine des lames, donc la conquérante Zerg qui voulait juste assimiler tout et pouvoir se libérer du joug d'Amon, mais n'était pas encore libre de sa propre de ses propres pensées. Eh bien, Selendis va défendre l'Empire Protoss, les frontières de l'Empire Protoss, notamment lors d'une des missions les plus emblématiques, je dirais, de Wings of Liberty, à savoir celle où Raynor doit faire un choix. Est-ce qu'il va sauver les colons ou est-ce qu'il va laisser les Protoss tout vitrifier? Et finalement, eh bien, Selendis, alors ce n'est pas canon, enfin canoniquement d'ailleurs, Raynor s'opposera à Selendis, mais Raynor ayant fait énormément de choses dans Starcraft 1 pour les Protoss, on en restera là. Il y aura un petit conflit entre les Protoss et les Terran, mais ça se réglera pacifiquement, enfin au départ militairement, mais dans le respect, on va dire, martial des deux protagonistes. Et au final, Selendis, eh bien, surveillera les frontières, et du coup il y aura eu des conflits avec les Zergs de Kerrigan pendant Wings of Liberty. Dans Heart of the Swarm, au final, pas grand chose à dire à part quelques colonies protoss attaquées par Kerrigan, cette fois-ci libérées de son contrôle Zerg. Donc pas grand chose à dire pour les protoss au niveau militaire. Il y aura peut-être plus à dire dans le futur et sur cette période, mais c'est vrai que de ce que l'on sait pour le moment, il n'y a pas eu grand-chose à part voilà, des petits échanges lors des invasions tout simplement de Kerrigan avant sa libération. Nous avons par contre quelque chose de très important qui a lieu à Wings of Liberty, c'est la vision de Zeratul. Zeratul, le prélat noir, celui qui a permis à Tassadar d'apprendre les pouvoirs des Templiers Noirs et qui lui a permis du coup finalement... Tassadar utilisera l'énergie des Templiers Noirs et des Templiers pour vaincre le Maître Esprit, l'Overmind. Et bien Zeratul est cette espèce de guide spirituel, et même des déclarations d'ailleurs de Chris Metzen et des différents auteurs de Starcraft, c'est un peu le Obi-Wan Kenobi de Starcraft, et c'est tout simplement le prophète au final. Zeratul, un personnage qui est vraiment super intéressant et qui au final est le lien qui unit les trois campagnes de Starcraft, à savoir Wings of Liberty, Heart of the Swarm et Legacy of the Void. Dans Wings of Liberty, Zeratul apparaît un petit peu comme un cheveu sur la soupe pour expliquer à Raynor que contre tous les autres avis, et même contre son propre avis, Raynor est à la fois, je rappelle, éperdument amoureux de Kerrigan, mais d'un autre côté veut tuer Kerrigan pour toutes les choses horribles qu'elle a commises dans Starcraft 1. Mais il aime bien sûr Kerrigan, donc lui-même n'arrive pas à savoir, d'un côté il veut tuer Kerrigan, de l'autre non. Et à Wings of Liberty, il y a quelqu'un qui va le convaincre finalement de ne pas tuer Kerrigan, c'est Zeratul. Zeratul va lui montrer l'avenir et va lui montrer notamment que Kerrigan, bien qu'il ait des ressentiments à son égard, Kerrigan est la clé de la sauvegarde de la vie dans l'univers. Et du coup, il va lui montrer la vision apocalyptique, ce que c'est tout simplement, donc moi ce que j'aime bien appeler, alors je ne me rappelle plus le nom de la mission, mais c'est c'est en gros l'apocalypse, le Ragnarok, le crépuscule des dieux et tous les autres noms bibliques pour expliquer la fin des temps, où vous jouez justement la dernière bataille, l'ultime combat, l'ultime bataille des Protoss face au vide. Face à l'extermination de toute vie, face à Amon qui a pris le contrôle justement des ruches Zerg, de l'essaim Zerg, et du coup vous jouez les grandes figures Protoss lors de leur baroud d'honneur, avec notamment donc de gauche à droite Zeratul, évidemment le prélat noir qui est présent lors de cette vision. Nous avons l'amiral en chef de l'armada dorée, à savoir Urun qui a tout simplement de l'aveu même des développeurs, enfin des scénaristes et des écrivains de Starcraft 2, a été oublié à Legacy of the Void. Nous avons ensuite Morhandar, comme je l'ai cité, donc le chef de tous les Templiers Noirs. Nous avons ensuite Selendis, l'exécutrice des Protoss. Et tout à droite, nous avons Artanis en robe. Artanis qui est passé de empagne à robe, à armure de combat dans Legacy of the Void. Donc nous avons les grandes figures emblématiques lors de l'ultime bataille qui périront. Sauf que ça, c'était une vision si Kerrigan avait été tué en fait, c'était la vision, parce que certes, je sais que beaucoup de joueurs ont été un peu surpris en mode, mais pourquoi on n'a pas vu ça justement, pourquoi on l'a pas joué dans Legacy of the Void, ça c'est la vision si Kerrigan avait été tué à Wings of Liberty. Dans Heart of the Swarm, Zeratul va avoir un rôle encore plus important, c'est celui de guider Kerrigan pour qu'elle accomplisse sa destinée et qu'elle devienne suffisamment forte pour pouvoir contrôler l'essaim et faire en sorte que l'essaim se retourne contre Amon et puisse tenir tête à Amon. Et évidemment, et bien du coup, dans Legacy of the Void, il a préparé les Zergs. Il est vraiment le messager, je dirais, d'Exelnaga, Zeratul, puisque dans Legacy of the Void, et bien il va faire en sorte que cette vision ne se passe pas. Maintenant que Kerrigan est en vie, il faut que les Protoss s'unissent et les Protoss puissent tenir dans l'adversité face à Amon et puissent faire en sorte que
la vie ne s'éteigne pas dans la galaxie. Et c'est notre cher Zeratul qui va justement, maintenant qu'il a sauvé Kerrigan, il doit voir l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est qu'il essaye de trouver justement de nouvelles possibilités pour pouvoir échapper à l'extermination promise par Amon. Et il va tout simplement continuer à chercher justement des artefacts et des prophéties pour essayer de voir ce qu'il peut faire. Notamment trouver la clé pour pouvoir vaincre Amon. Et lors de ses pérégrinations, lors de ses recherches, il va tomber... Il va tomber avec un contact, il va être contacté par le prêteur Talis. Donc ça c'est le prologue de Legacy of the Void. Il va tomber donc sur le prêteur Talis, donc une adepte, la nouvelle unité qui arrive avec Legacy of the Void. Et donc ce sont des protos femmes qui combattent. Et en l'occurrence le prêteur Talis va justement lui demander de l'aide, puisque des protos ont été enlevés on sait pas par qui, mais ils ont été enlevés et ils sont retenus en otage dans des installations humaines du ce qu'on appelle de la Fondation Mobius, du contingent Mobius, qui était dirigé par Emil Narud ou Samir Duran, donc un serviteur d'Amon. Et ça aussi c'est pareil, beaucoup de gens ont oublié ce passage, mais c'était déjà présent à Starcraft 1 ça. Donc c'est encore une fois, on revient sur du Starcraft 1 en lui rendant hommage, puisque cette mission est rapide, mais cette mission nous montre plusieurs choses. Et elle est super intéressante à ce niveau-là, parce qu'elle nous rappelle que, encore une fois, c'est Zeratul qui avait découvert cette espèce de prophétie, cette espèce de complot qui rôdait dans l'ombre du conflit, de l'ombre de Broudoir, dans l'ombre du conflit pour le contrôle des nuées. Et il avait tout simplement découvert la création d'hybrides, donc des hybrides de Xel'Naga et des hybrides de Zerg et de Protoss pour former des espèces de sous-Xel'Naga qui seraient sous le contrôle d'Amon pour détruire toute vie dans l'espace. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup cette Fondation Mobius est devenue le contingent Mobius. C'est dit également dans la nouvelle du secteur 6, c'est en gros, la Fondation Mobius va se faire mind control petit à petit. Ça fait très Lovecraft d'ailleurs à ce niveau-là, contrôlé par des murmures qui vont les rendre fous et vont tout simplement devenir des esclaves des hybrides. Les hybrides vont les contrôler mentalement et ils vont en faire une arme contre la machine de guerre d'Amon pour détruire tous les ennemis d'Amon tout simplement. Et en l'occurrence, l'une de ces installations scientifiques va être attaquée par Kerrigan. Kerrigan, cette fois-ci, libéré du contrôle d'Exelnaga. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on revoit encore une fois Kerrigan et Zeratul présents au même endroit. Je vais juste rappeler un peu l'historique et le vécu entre ces deux personnes. C'est que Zeratul, bien sûr, comme je l'ai dit juste avant, a servi de guide pour Kerrigan de Heart of the Swarm. Mais ce qui est super important, c'est de se rappeler que Kerrigan, lorsqu'elle n'était pas encore libérée du contrôle Zerg, qui est arrivé à la fin de Wings of Liberty, dans Starcraft 1, Kerrigan a tout simplement contrôlé Razagal, donc la matriarche des Templiers Noirs, et a forcé Zeratul à tuer le nouvel Overmind pour qu'elle ait le contrôle de toutes les nuées Zerg, de tous les saints Zerg, sans partage, et elle a menti, trahi tout le monde dans Starcraft 1. Et elle a forcé Zeratul à tuer sa reine, à tuer la matriarche Razagal. Donc il y a un passif entre les deux, et s'il y a bien une personne qui aimerait tuer Kerrigan, c'est Zeratul. Et Zeratul a été forcé par cette prophétie, cette idée que si Kerrigan meurt, toute vie va s'éteindre dans la galaxie. Donc il y a un côté très tragédie grecque qui est parfois un petit peu oublié, parce que peut-être au niveau de la mise en scène on ne le rappelle pas assez. Il aurait peut-être fallu un ou deux échanges pour rappeler que Zeratul a la haine contre Kerrigan, mais il sait que c'est elle qui va sauver la galaxie, qui peut sauver la galaxie. Mais du coup, une nouvelle rencontre entre Zeratul et Kerrigan. Kerrigan explique à Zeratul qu'elle ne sait pas pourquoi Zeratul est là, qu'il fasse ses trucs, mais qu'il n'essaye pas de l'arrêter, puisque Kerrigan, elle va traquer tous les serviteurs d'Amon et les massacrer comme elle le faisait déjà dans Heart of the Swarm. Donc, Zeratul va devoir naviguer entre les assauts Zerg pour pouvoir libérer les Protoss retenus en otage par la fondation, par le contingent Mobius. Talis va justement être assez contente, puisque les Protoss du coup ont été libérés. On découvre en fait que ces Protoss ont été enlevés par les Tal'Darim, donc les Protoss serviteurs d'Amon, qui les ont donnés aux Terran du contingent Mobius pour faire des nouveaux hybrides, en fait pour fournir de la matière organique pour pouvoir faire des hybrides. Et au final, Zeratul, grâce aux données du laboratoire des installations scientifiques avant que Kerrigan détruise le site, Zeratul va avoir les coordonnées justement d'un temple où tout cela, a été orchestré. Et il va donc encore une fois, face à Kerrigan, Zeratul
J'avais oublié de mettre la diapo. Mais du coup, Zeratul va pouvoir laisser Kerrigan à sa vengeance. Mais au final, eh bien, ils vont pas s'affronter directement. Mais c'était assez intéressant pour continuer dans le changement, on va dire, de rapport entre les deux personnages, que je trouve assez intéressant. Et je l'avais même réoublié avant de la rejouer. C'est vrai que c'est super intéressant, super important. Donc les Protoss sont libérés de leur prison et tout ce contingent, eh bien, va aider Zeratul dans sa tâche, à savoir retrouver eh bien, des artefacts qui pourraient les aider dans la guerre à venir contre Amon. Et donc Zeratul découvre l'activité où se trouve l'activité des Tal'Darim ayant capturé les Protoss, un temple Xel'Naga sur la planète Atrias. Alors, les planètes, à part Ayur et Shakuras, vous vous en foutez, concrètement. C'est juste pour ceux, si vous re-regardez la vidéo plus tard, etc. Parce qu'il y a beaucoup de noms dans cette vidéo, il y aura énormément de noms. Donc les planètes, on s'en fout. Hein. En dehors de Coral, Shakuras et Ayur, on s'en fout. Le reste, on s'en fout. Donc je vous le donne pour ceux qui veulent vraiment en savoir plus, mais sinon les autres ne retenez pas, c'est pas grave pour le moment. Du coup la planète Atrias, qui est une planète qui est en train de mourir, elle est là depuis très 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 longtemps, et elle abrite un temple Xel'Naga. Et dans ce temple Xel'Naga, Zeratul essaye de découvrir justement quelque chose sur Amon et les Xel'Naga. Talis, qui reconnaissante et en gratitude à l'égard de Zeratul, va aider le Prélat Noir et elle est honorée de servir le héros Zeratul. Donc, eh bien, elle va l'aider à combattre les adversaires, donc tous les envoyés d'Amon, en l'occurrence les Tal'Darim, menés par le Haut Seigneur, donc encore un nouveau nom. Retenez-le, il s'appelle Malash, le Haut Seigneur. Alors dans cette partie 1, on s'en fout un peu. Dans la partie 2, ça sera très important puisqu'on attaquera la société Tal'Darim et notamment un certain duel, le Rakshir du coup au sein des Tal'Darim. Donc le Haut Seigneur Malash est présent sur place et dirige les Tal'Darim pour communier avec Amon, puisque Malash a besoin de faire son rapport à Amon. Amon qui va le briefer sur les prochains mouvements à faire, tout simplement dans la guerre qui s'annonce. Donc Zeratul va se heurter face à ses frères Protoss, enfin ses cousins, hein, ils sont tellement éloignés maintenant qu'on va plutôt dire ses cousins, mais il va rentrer dans le temple pendant que Talis tient à l'extérieur. Et au final, eh bien, il va fermer justement le passage. Enfin, il va fermer, on va dire, il va détruire l'espèce de temple qui est dédié à Amon dans le temple Xel'Naga. Et à ce moment-là, eh bien, il va avoir une vision. Il va avoir une vision qui va s'afficher. Et c'est un vieux visage, un visage d'un vieil ami de Zeratul qui va apparaître, celui de Tassadar. Et cette vision venant du vide, provenant du vide, et Zeratul le dira lui-même, c'est une vision antique. Or, Tassadar, il est vieux, mais pas non plus une antiquité. Donc, Zeratul se rend compte que c'est Tassadar, mais il ressent quelque chose de beaucoup plus vieux qui lui parle et qui lui dit la clé, l'artefact Xel'Naga, la clé Xel'Naga sera la clé qui ouvrira le salut, qui vous ouvrira le futur, etc., etc. Donc trouvez la clé vous ouvrira, enfin vous donnera l'espoir, la clé vous ouvrira, la clé permettra de vous ouvrir l'espoir, le futur. Et là, Zeratul fait « c'est bon, ok, donc l'artefact Xel'Naga qui dans Wings of Liberty avait permis de libérer Kerrigan du contrôle, enfin de son ADN Zerg en gros pour lui permettre d'avoir de nouveau son libre-arbitre, eh bien cet artefact-là que Raynor et les rebelles de Raynor avaient rassemblé, eh bien cet artefact Xel'Naga qui avait servi aussi de menace contre Kerrigan et Heart of the Storm, a de nouveau un rôle à jouer dans la saga, puisqu'elle va avoir un rôle très important dans Legacy of the Void. Et du coup, Zeratul dit, mais attendez, mais en fait, la clé au sens littéral hein, et au sens propre, et au sens figuré, pardon, eh bien, va vraiment justement être cet objet important pour pouvoir sauver la vie et les Protoss. Et du coup, Zeratul est presque en mode, mais attendez, on l'a eu dans nos mains depuis je sais pas combien de temps, et en fait c'est cet objet là qui va nous servir pour plus tard, c'est super important. Et du coup au moment justement où Tassadar donne son message, eh bien il y a Amon qui va intervenir directement, puisque bah, cette espèce de liaison avec le vide va être récupéré par Amon, va être piraté par Amon, et va dire que oui, cette clé qui va, en fait cette clé c'est celle qui va détruire toute la vie dans l'espace, et il va tout simplement faire s'effondrer le temple, ce qui va tuer une partie des soldats de Zeratul. Et à ce moment là, et eh bien donc Amon va attaquer le temple, va le faire s'ensevelir, va le faire s'effondrer,
Blizzard aime bien les temples qui s'effondrent. Et Talis, donc le prêteur Talis, qui était reconnaissante à l'égard de Zeratul, va rentrer dans le temple et va se sacrifier pour permettre à Zeratul de fuir avec littéralement les informations qui pourront sauver, sauver leur race. Donc c'est quelque chose d'assez important et d'assez mémorable. C'est vrai que Talis, c'est un personnage qui, là dit comme ça, c'est vrai que ça, je rends pas honneur et je vous invite bien sûr, malgré que je fasse cette vidéo, à jouer à Legacy of the Void. En plus, franchement, c'est vraiment une super campagne qui y a plein de petits trucs. Plus vous jouez au jeu, plus vous y rejouez. Moi, j'ai rejoué à Legacy au moins à 3-4 fois. Et plus vous y rejouez, plus vous voyez des détails cachés qui sont super intéressants, qui font des liens avec l'univers étendu, qui font des liens à StarCraft 1, qui font des liens avec les deux autres opus, Wings of Liberty, Heart of the Swarm. Donc c'est vraiment... À chaque fois que j'y rejoue, je revois d'autres détails en fait. Ce qui prouve quand même que on peut aimer ou ne pas aimer, ce qui prouve quand même une certaine richesse d'écriture. Et au final, eh bien Talis, c'est vrai que je lui rends pas trop honneur dans cette vidéo parce que y a beaucoup de choses à dire et il va falloir que je passe. Mais c'est vrai que Talis c'est un personnage assez attachant. En plus, c'est l'un des rares, on va dire, héros protos femelles. Et au final, eh bien Talis va se sacrifier et va mourir pour permettre à Zeratul de s'échapper. Donc c'est. Voilà, c'était un moment triste, c'était un petit peu triste, la pauvre Talis, elle était toute mimi, et du coup, eh bien, Zeratul doit absolument regagner les siens pour leur apprendre justement qu'il faut récupérer la clé, et la lutte pour la reprise d'Ayur semble insignifiante à côté de trouver l'outil qui permettrait de tuer, de vaincre Amon. Donc Zeratul, il part pleine bourre pour essayer de retrouver les siens, qui depuis des années préparent la reconquête d'Ayur, et ont abouti tout simplement la construction de l'armada dorée, et tous les préparatifs sont terminés pour pouvoir récupérer Ayur. Alors là, il y a plusieurs vidéos qui vont arriver, cette fois-ci dans l'ordre chronologique, pour pouvoir justement préparer l'invasion d'Ayur, qui est quelque chose qui, pour tous les Protoss, est attendu depuis la chute d'Ayur dans StarCraft 1. Donc c'est un événement très très important, et on va se regarder du coup la vidéo... La reconquête d'ailleurs, qui est tout simplement, eh bien, les doutes. On parlait d'Artanis qui avait déjà des doutes en devenant le hiérarque des Protoss. Eh bien, on va voir cette vidéo avec d'autres doutes. Je voudrais rester seul. Votre absence inquiète vos guerriers. Notre peuple est très ancien. Nous sommes peu nombreux. Et demain, beaucoup mourront pour moi. Si vous doutez de vos capacités... Pas du tout, mon vieil ami. Je remets en question mes motivations. Et si je doute, eux aussi douteront. Y a-t-il plus noble cause que récupérer notre monde ? Ayur fait partie de notre passé, mais est-ce notre avenir ? C'est notre héritage. Léon de Conflit est aussi notre héritage. Nous ne souhaitons pas y revenir. Nous nous sommes conduits comme des animaux et avons failli noyer Ayur dans notre propre sang. Mais après ce conflit, le grand Kars a ouvert nos esprits. Il nous a apporté la gloire du Kala. Et toutes nos émotions et nos pensées n'ont plus fait qu'un. Grâce au Kala, nous avons trouvé l'harmonie. Nous avons appris de nos échecs et fait d'Ayur un modèle de progrès dans la galaxie. L'envie de toutes les étoiles. Mais dans la gloire de la lumière du Kala, tellement sûr de notre juste destinée, nous nous sommes retournés contre nos frères. Vous parlez des Templiers Noirs. Oui. Ils ont choisi de rejeter tout ce que nous sommes.
et se sont coupés du Kala. Nous les avons traités d'hérétiques et avons essayé de les détruire. Nous avons renoncé à l'harmonie. Et comme lors de Léon de Courfey, cette division nous a affaiblis. Le destin a puni cette faiblesse. Et à cause de nos certitudes, les Ergues se sont emparés d'ailleurs. J'ai vu notre monde brûler. Notre honneur perdu. D'innombrables vies perdues. Cette invasion sera bien plus sanglante. Nombre de nos amis tomberont. Parce que nous nous accrochons à un idéal qui est peut-être dépassé. Je refuse d'accepter cela. Ne voyez-vous pas la symétrie de ce moment ? Chasser les Templiers Noirs était un péché. Mais aujourd'hui, parce que vous nous avez réunis, nous combattons ensemble. Les pertes de demain seront le prix de notre avenir. Mais vous n'êtes pas celui qui va les envoyer à la mort. Mais bien un de ceux qui risquent de mourir. Je serai parmi les premiers à verser le sang des Ergues. Je suis Akun Delar, la pointe de la lance. Akun Delar. Rares sont ceux qui survivent à la première vague. Pourquoi ? Parce que je ne connais pas de plus grand honneur. Si je suis prêt à donner ma vie pour notre monde, pour en faire à nouveau un monde pour tous les Protoss, c'est parce que vous m'avez redonné foi en ce rêve. Retrouver un monde pour tous les Protoss. Cela sera possible grâce à des guerriers tels que vous. Revenez, Artanis. Et ramenez-nous chez nous. Kaldalis. Ma vie pour ailleurs. Ma vie pour ailleurs. Cette cinématique est juste exceptionnelle. Elle n'est pas présente en jeu et je la trouve absolument exceptionnelle parce qu'en quelques minutes, déjà elle fout les frissons de fou. Mais surtout, elle vous rappelle vraiment l'historique en très peu de temps. Elle vous rappelle un peu l'histoire des Protoss avec les grands moments de doute et d'ombre liés à la race. Les ondes de conflit où la race, enfin les Protoss ont failli être exterminés. La rupture, le schisme entre Templiers et Templiers Noirs. Et elle vous rappelle à la fin l'union des Delam, l'union des Protoss normaux et des Templiers Noirs pardon et des Templiers, et que justement Ayur serait potentiellement ce berceau pour toute la civilisation Protoss, quels que soient les Protoss en fait. Et que depuis des années maintenant ils attendent le conflit, et malgré les doutes d'Artanis, on nous parle aussi de cette invasion qui va être très sanglante, puisque Ayur est un endroit où il y a énormément de Zergs, des Zergs fous qui n'appartiennent pas à Kerrigan, mais des Zergs solo indépendants, et au final qui sont toujours toujours contrôlés par l'Overmind, mais l'Overmind est mort, donc ils sont laissés à l'état sauvage. Et il y en a énormément, puisque le principal essaim Zerg avait attaqué Ayur. Donc Ayur est très hostile, et au final les Protoss veulent récupérer leur monde, et pour pouvoir tout nettoyer, normalement vous savez ce que font les Protoss, hein, ils arrivent sur une planète, ils vitrifient en orbite et basta. Mais là ils veulent récupérer Ayur, donc ça veut dire qu'ils peuvent pas juste vitrifier la planète, ils veulent la récupérer, donc il va falloir qu'ils détruisent toutes les galeries, etc. Ça va être une reprise, une invasion très très longue. Et donc là, comme vous l'avez vu, l'armada dorée est en orbite autour d'Ayur. Alors petit rappel, parce que je vois, il y a souvent une confusion entre Akun Delar, parce que le personnage que vous voyez à gauche, le Protoss Borgne, c'est tout simplement, il s'appelle Kaldalis, hein, il ne s'appelle pas Akun Delar. Même des fois dans des sites, je vois Akun Delar en tant que personnage. Non, l'Akun Delar c'est un rite, et il dit je suis Akun Delar, parce que des fois les rites on dit pas le ou la, on dit juste, enfin il n'y a pas de nom devant en fait, c'est Akun Delar, parce que Akun Delar c'est le rite, en gros l'idée c'est la première vague, c'est le
le premier assaut, la première ligne en fait, la première ligne de front, la pointe de la lance, hein, le premier assaut. Et généralement, bah, le premier assaut, les premières vagues, elles se font détruire. Donc, lors d'un assaut, les premières vagues, bah, elles prennent cher. Sauf que c'est vraiment un rite honorifique pour les Protoss. Et du coup, Kaldalys va mener ce qu'on appelle la Kundelar, à savoir donc ce premier assaut qui va permettre aux autres Protoss d'arriver sur la planète en nombre et de pouvoir faire en sorte que l'invasion se passe bien. Donc c'est un moment super important où justement Artanis en tant que chef doute par rapport à l'histoire, enfin par rapport à Aiur, un lieu chargé d'histoire et autres, et on voit Kaldalys qui lui dit mais... Alors qu'en plus on voit qu'Artanis est quand même relativement jeune par rapport aux différents autres protagonistes Protoss qu'on verra après. Et même Kaldalys semble être plus vieux par cette balafre, etc. C'est un vétéran de guerre. Et il dit justement qu'il est inspiré par Artanis, qui lui donne de la force et de l'espoir. On ne reverra pas du tout Kaldalys par la suite, seulement dans la Kundelar justement, mais ensuite on ne le reverra plus. J'en reparlerai peut-être un petit peu après. Mais voilà, donc c'est vraiment le personnage classique Protoss qui dit qu'il est inspiré par la sagesse et cette volonté d'Artanis de relier justement Templier Noir et Templier pour la reconquête d'ailleurs. Alors... on va attaquer une autre vidéo, celle-là je serai beaucoup plus critique à son égard, puisque c'est probablement l'un des plus gros points noirs de Legacy of the Void. Beaucoup de gens critiquent Legacy of the Void, et je trouve que je ferai un jour une vidéo de débunkage sur les critiques liées à Starcraft 2 et principalement liées à Legacy of the Void, et j'en parlerai pas mal dans la partie 2 aussi, mais Legacy of the Void, la plupart des critiques qui lui en sont faites sont un peu injustes, et des fois c'est juste une méconnaissance de 2-3 trucs qui font qu'on a l'impression que c'est incohérent, mais c'est cohérent. Pour le coup, la cinématique qui va suivre est très 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 incohérente. C'est probablement la vidéo la plus incohérente, donc on va l'attaquer. C'est tout simplement, encore une fois, la préparation de l'invasion d'Aiur. Après si longtemps, nous voici au seuil de notre destin. En ce jour, nous allons retrouver notre gloire et notre héritage. En ce jour, nous allons reprendre ce que nous avions perdu, notre foyer. Et puisse la lumière du Kala nous guider. La flotte d'invasion est prête. Nous n'attendons plus que votre signal, Hiérarque. Ces invasions doivent cesser immédiatement. Zeratul. Templier ! Arrêtez ce traître ! Non ! Non ! Laissez-le parler. La guerre ultime arrive. Amon, le Maître Noir, est de retour. Ne faites pas confiance à cet hérétique. Cette invasion va nous détourner de la véritable bataille à mener. La fureur d'Amon va submerger la galaxie tout entière. N'oubliez pas que c'est son ingérence qui a provoqué la ruine d'Aiur. Et ce fardeau pèse lourdement sur mes épaules. Artanis, j'ai trouvé un moyen de résister aux ténèbres à venir. Il faut me croire. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble, Zeratul. Mais de trop nombreux sacrifices ont été consentis dans l'espoir de faire exister ce moment. Exécuteur, que l'invasion commence! Donc, cette cinématique, en quoi elle est incohérente? Alors, je vous arrête tout de suite, c'est pas forcément l'assaut ou le fait que Zeratul, en pleine invasion, dise hey, « Hé, les gars, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux !» Non, non, ça, il n'y a pas de problème. Zeratul qui dit « Bon, l'invasion, les gars, vous êtes mignons, vous les récupérez ailleurs, mais en fait, bah, c'est secondaire par rapport à ce qui arrive, c'est beaucoup trop important. » Non, ça, pas de problème. Le problème, c'est quoi? C'est tout simplement plus, en fait, bah, un personnage qui aurait dû avoir beaucoup plus d'importance dans Legacy of the Void, et c'était prévu hein, d'ailleurs par les devs qu'elle ait beaucoup plus d'importance, et finalement elle en aura peu d'importance, c'est Celendis. Alors c'est un personnage que j'aime beaucoup, Celendis, mais au final, parce que bah, c'est l'une des rares figures aussi féminines et assez bien travaillées, notamment dans la saga du Templier Noir. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que dans cette cinématique,
j'ai l'impression que les devs se sont dit, attends, mais cette cinématique, c'est le moment de rappeler que c'est Zeratul, donner un côté shakespearien, donner un côté dramatique au fait que, bah en fait oui, c'est Zeratul qui, sans le vouloir, malgré lui, en tuant un Cérébrat dans Starcraft 1 sur Char, donc la capitale des Zergs, bien en tuant un Cérébrat, donc l'un des lieutenants du maître esprit de l'Overmind, bien en tuant le Cérébrat, ça l'a connecté directement avec l'Overmind, et l'Overmind a su où était Aiur, une information qu'il n'avait pas. Donc il a su où était Aiur, et c'est à cause de Zeratul au final, enfin, passivement, à cause de Zeratul que du coup, eh bien, l'Overmind a pu trouver la planète et a détruit, ravagé Aiur. Sauf qu'en fait, donc là on pourrait dire, bah du coup Célendi c'est la raison de gueuler. Mais en fait le problème ce serait que d'oublier énormément de choses qui se sont passées entre les deux. À savoir que Zeratul, sans lui, eh ben, le maître esprit, l'Overmind n'aurait jamais été tué. Que tous les Cérébrates sans Zeratul, bah ils peuvent pas être tués. Les Protoss classiques et Phoenix d'ailleurs, un des héros Protoss de Starcraft 1 est mort, sa première mort. C'était à cause de quoi? C'est parce qu'ils ont tué des Cérébrates. Mais les Cérébrates, sans l'énergie des Templiers Noirs, bah les Cérébrates ils se reconstituent et reviennent. Donc il y a un moment donné où il faut arrêter d'être con. En fait, c'est grâce aux Templiers Noirs, et d'ailleurs Kerrigan forcera Zeratul, comme je l'ai dit, pendant ce Brood War, pour pouvoir justement détruire les Cérébrates et les Overmind. Donc, au final, sans les Templiers Noirs, les Zergs ne peuvent pas être vaincus, en fait. Hein. Donc, des années après, un reproche pareil à l'égard de Zeratul, qui est considéré comme un héros, et quand vous faites le prologue, vous avez Talis, un prêteur qui n'a pas du tout la même hiérarchie que Celendis. Celendis s'est battu aux côtés de Zeratul pendant Brood War et après. Zeratul qui s'en veut énormément en plus pour tout ce qu'il a pu faire, parce que lui, c'est lui-même. La plupart des Protoss à l'égard de Zeratul sont bienveillants et disent bah c'est pas forcément de ta faute et tu t'es racheté, grâce à toi il n'y a plus d'Overmind, on a tué les Zerg, etc. Et Zeratul est celui qui a fait en sorte que Shakuras soit en paix aussi, ne l'oublions pas à Brood War. Tous les Zergs étaient en train d'envahir Shakuras et Zeratul et Artani sont activés avec les cristages Urage et Calice, ils ont permis d'activer le temple Xel'Naga qui a détruit tous les Zergs. Zeratul est un héros de guerre. Talis le rappelle dans le prologue. Talis dit c'est un honneur de combattre avec vous, Zeratul, le Prélat Noir, etc., etc. Et là, il y a Celendis qui pète un plomb en mode. Et c'est des propos qui sont très très durs, parce que si vous connaissez, enfin si vous vous intéressez aux vidéos que j'ai faites, et je l'ai beaucoup rappelé avant, traiter d'hérétique avec la vidéo que vous avez vue juste avant, comme quoi on les avons traités d'hérétiques, nous avons ceci, chasser les Templiers Noirs était un péché, etc. Et là, Celendis, l'exécutrice en chef, donc le chef des armées de tous les Protoss, qui traite Zeratul comme un hors-la-loi et qui le traite d'hérétique. Ce mot dit comme ça, on se dit ouah, c'est pour rigoler, enfin hérétique, mais hérétique dans la bouche, alors la bouche théorique des Protoss, parce qu'ils n'ont pas de bouche, mais dans l'esprit d'un Protoss, hérétique, c'est pas un mot facile, hein. c'est un mot très très dur hein, par rapport à la philosophie et le mode de pensée des Protoss. Le comportement de Celendis est incompréhensible. Et si vous avez lu la saga du Templier Noir, Legacy of the Void rendra énormément hommage d'ailleurs à cette œuvre. Et à la base, il était prévu d'ailleurs que les personnages, donc Ramsay et Rosemary Dahl, devaient apparaître dans Legacy of the Void. Et finalement, ils se sont dit non, ça serait un peu forcé, donc ils les ont pas intégrés. Mais à la base, ils devaient apparaître, donc ils ont énormément travaillé Legacy of the Void autour de ce qui avait été fait. D'ailleurs, bah, un des nouveaux personnages qui arrivera à Legacy of the Void est un conservateur, hein, pour rendre encore hommage à... Et c'est des bons hommages en plus, c'est plutôt des bons hommages qui sont faits. Et là, eh bien, il y a dans la saga du Templier Noir une interaction entre Zeratul et Celendis. Et comment Celendis traite Zeratul? Avec respect et honneur, elle considère Zeratul comme un héros Protoss. Genre, ça n'a aucun sens qu'elle l'agresse comme ça, ça n'a absolument aucun sens. Alors moi je me suis dit pendant un moment que c'était peut-être parce que Zeratul avait aidé Kerrigan dans The Heart of the Swarm, et Kerrigan pour les Protoss a toujours été celle qui a trahi, détruit, etc. à cause de Brood War, donc peut-être que c'est ça. Mais au final c'est même pas ce cas, c'est même pas ça qu'elle reproche, puisque juste après elle dit, n'oubliez pas que c'est à cause de lui, c'est son ingérence qui a provoqué la ruine d'ailleurs. Donc c'est même pas, elle a même pas de grief à l'égard. Et de toute façon, les Protoss, comment ils peuvent savoir que Zeratul a aidé Kerrigan? Bah personne peut le savoir. Donc c'est vraiment très très étrange, ça n'a rien à faire là. Et c'est probablement l'un des passages le plus incohérent. Je pense mais vraiment que c'est le passage le plus incohérent de Legacy of the Void. Je sais, je l'analyse un petit peu en longueur, mais c'est vrai que ça n'a aucun sens. Et encore une fois, bah, dans la trilogie de la saga du Templier Noir, bah,
elle a du respect. Alors, il est dit que Selendis a quelques griefs à l'égard des Nerazim, parce que elle a toujours été, elle a cet endoctrinement, hein, depuis le début on lui dit que les Templiers Noirs sont des saloperies, et quand tu sais que Selendis était le personnage joueur que l'on contrôlait dans Brood War, donc qui s'est battu aux côtés des Templiers Noirs, elle s'est battue aux côtés de Zeratul, et ils ont une interaction assez sympathique dans le saga du Temple Noir, teintée de respect. Là, on a l'impression qu'ils ne sont jamais revus. Enfin, c'est très étrange et ça n'a rien à faire là. Mais bon. Du coup, Selendis dans Legacy of the Void passe pour une grosse connasse, puisque c'est pas fini. On le reverra dans la partie 2. Bah, elle aura très très peu de lignes de dialogue. Et à chaque fois, elle passe pour une grosse connasse. Et on a l'impression qu'elle n'a pas de cerveau aussi. Et du coup, je trouve ça un peu dommage. Et du coup, dans cette cinématique, on voit quoi ? On voit tout simplement l'invasion. Et comme on l'a vu, des énormes barges de débarquement. Parce que là, c'est vraiment les barges de débarquement avec toute l'armée Protoss. Qui attaque. Alors il y a des Templiers Noirs bien sûr hein, dans l'armada dorée, mais quand même la plupart sont restés sur Shakuras. Mais c'est à la base du volontariat, ça, c'est vraiment très propre aux Templiers Noirs, c'est-à-dire que là la plupart de tous les Templiers, tous les Kalaï sont présents pendant l'invasion. Les Templiers Noirs, eux, ils sont pas liés par le Kala. Donc c'est vraiment du... Alors bien sûr ils doivent servir l'unité, hein, bien entendu, mais les Templiers Noirs n'ont pas de Kala, n'ont pas cette espèce d'internet organique, et n'ont pas les cordons nerveux qui les raccordent, ils se coupent les cordons nerveux, donc ils ne sont pas en rapport direct. Ils peuvent se parler par télépathie, bien sûr, mais là on est plus sur le bénévolat, le volontariat. Certes, beaucoup de Nerazim du coup rejoindront l'armada dorée pour la reconquête d'ailleurs, mais certains choisissent de rester sur Shakuras, puisque pour eux, leur monde, c'est Shakuras. Bien qu'ils considèrent qu'Aiur... Et ils soutiennent bien sûr l'armada dorée. Certains sont restés sur Shakuras parce qu'il ne faut pas non plus que Shakuras soit sans défense en fait. Donc on va attaquer là encore une vidéo sur l'invasion d'Aiur. Mais en même temps c'est normal. Protoss, quand vous les connaissez, c'est ma vie pour Aiur, etc. Donc c'est normal que l'invasion d'Aiur ait énormément de place. Et du coup, on va attaquer justement le rite de la Kundelar, à savoir l'invasion des Protoss sur Aiur. Les saints ont mis notre monde en ruine. Il a fait de nous des exilés. Et pourtant, il n'a pas pu briser notre unité. Car nous sommes liés par le Kala. L'union sacrée de chaque pensée, de chaque émotion. Yeah.
et avec lui, notre héritage. Cette cinématique est juste exceptionnelle. Vraiment, c'est... Blizzard a toujours fait des très belles cinématiques, mais celle-ci est probablement leur chef-d'œuvre, je trouve. Probablement la plus belle cinématique qu'ils aient jamais fait. Alors bien sûr, c'est une question de goût et de couleur, mais c'est juste exceptionnel. Et quand vous avez eu la cinématique juste avant avec la Reconquête, elle prend une dimension différente, puisque vous avez un visage sur ces personnages-là, à savoir Keldalis, et vous savez qu'en fait, tous ces Protoss ont signé une décharge en disant bah je reviendrai probablement pas en fait. Et ça change encore plus parce que tous les personnages que vous voyez, enfin moi à chaque fois que je la vois et plus elle me prend aux tripes, plus elle m'émeut. Ça va être très dur de pas avoir de larmes d'ailleurs dans cette, parce que ça fout des frissons, ces cinématiques foutent des frissons, l'histoire Protoss fout des frissons. Et ils ont tous choisi de se sacrifier pour permettre justement l'invasion d'Ayur. C'est eux qui vont faire en sorte que les canaux de transfert soient établis pour que tous les autres Protoss puissent venir et récupérer leur monde. Donc ils choisissent, et en plus on vous rappelle dans cette cinématique le Kala, donc vraiment le lien qui unit tous les Protoss. Et qui, donc ils ressentent toutes les émotions, tous les espoirs qu'ils ont sur les épaules pour permettre cette invasion. Et au final, eh bien ils choisissent de sacrifier l'autre qui saute sur le chancre pour que le chancre explose sur lui et pas sur ses coéquipiers. Les deux hauts templiers qui s'unissent, je rappelle que la création d'un archonte, les hauts templiers meurent, ils se sacrifient, et on voit vraiment le sacrifice pour l'unité, pour le plus grand nombre, où ils choisissent de se sacrifier pour créer une entité plus puissante, une entité qui va collecter en fait les deux matières pour former ce qu'on appelle l'archonte. Donc les deux hauts templiers qui se sacrifient pour créer un archonte. L'archonte, quand ils choisissent de devenir un archonte, l'archonte il va mourir. Hein. L'archonte on amplifie le pouvoir des deux hauts templiers qui créent un être immensément puissant, mais cette puissance elle est temporaire. C'est une espèce d'étoile qui va exploser très rapidement, une étoile de puissance qui va exploser très rapidement. Donc elle dure des semaines, peut-être des mois, mais à la fin, enfin l'archonte, il disparaît. Donc ils choisissent vraiment tous de se sacrifier pour pouvoir accomplir leur destin, et ça c'est magnifique. Et on sait pas ce que deviendra Keldalis par la suite, mais ce qui est sûr c'est que Keldalis a permis avec Probius, j'ai fait une vidéo sur Probius, tout le monde s'en fout, mais j'ai fait une vidéo sur Probius, et du coup Probius et Keldalis sont les deux seuls survivants, les deux seuls rescapés de la Kundelar, et vont permettre l'invasion tout simplement d'Ayur et la reconquête d'Ayur. Et la reconquête d'Ayur, c'est vrai que en jeu on s'en rend pas trop compte parce qu'il y a très peu de missions sur la reconquête d'Ayur, mais Artanis le rappelle dans les différentes vidéos, il va y avoir beaucoup de sacrifices. Il faut imaginer que nous on mène une bataille, mais il y a des batailles partout. C'est dit d'ailleurs dans les premières missions jouables, on gère un front et pendant ce temps Selendis gère un autre front, etc, etc. Et du coup Artanis va lancer l'attaque, et au départ eh bien le combat est difficile, mais cela se passe relativement bien. Il y a pas mal de pertes, mais malgré tout l'assaut se passe bien. En même temps il y a eu des préparations il y a eu des années de préparation pour cette attaque, hein. ça n'a pas été fait au hasard, donc là-dessus c'est plutôt bien fait. Et on va voir justement cet assaut se passe relativement bien avec la nouvelle cinématique. Semble avoir commencé. Dites-moi, mon vieil ami, qu'aviez-vous appris ? J'ai assisté à la fin de toutes choses. De terribles légions d'hybrides qui rasent monde après monde. Et dans les ténèbres, la main qui les guide, une forme d'ombre. Amon. Pourtant, vous parliez d'un moyen de le contrer. Cette vision était bienveillante, comme si une voix antique me parlait de l'au-delà. La clé vous ouvrira les portes de l'espoir. La clé ? J'ai vu une lumière éclatante éclairer l'artefact Xel'Naga sur le monde Terran de Coral. C'est la clé de cette vision. Les prophéties annoncent l'opposition d'Xel'Naga et d'Amon à la fin des temps. Je crois que cette clé nous guidera jusqu'à eux. Je vous ai toujours fait confiance, Eratul, mais le commandement est un fait.
fardeau qui me pèse lourdement. Je me demande parfois si j'étais réellement prêt à l'endosser. Vos doutes sont sans fondement, jeune Artanis. Vous devez accepter cette évolution pour devenir le chef dont nous avons besoin. Vous irez auprès de James Raynor sur Coral pour recevoir cette clé Xel'Naga. Je mobiliserai nos troupes pour la guerre qui s'annonce. À votre retour, les Templiers seront prêts. Entaro Tassadar, mon vieil ami. Entaro Artanis, mon frère. Voilà pour ce qui est de l'assaut. On voit justement, du coup, Zeratul, bien sûr, participe également à cette attaque. Et on voit... Alors, on le voit un petit peu aussi dans cette cinématique que ça se passe relativement bien. Ça se passe bien, mais c'est la merde quand même, hein, parce que vous voyez quand même un porte-nef, donc les vaisseaux typiques des Protoss, il y en a un qui est en train de tomber, donc c'est quand même l'assaut est dur, même si ça se passe relativement bien, il y a quand même des grosses pertes, comme vous le voyez, avec la flotte Protoss qui essuie une chute, hein, tout simplement, donc un des vaisseaux qui s'écrase. C'est censé vous montrer que pendant ce temps, pendant qu'il parle, y a la guerre quand même, c'est la guerre. C'est peut-être un petit peu... Les missions sont courtes, enfin, il y a beaucoup de missions sur Legacy of the Void et pas mal d'arcs qui s'entremêlent. Et parfois, ça manque, je dirais peut-être, la mise en scène souffre un petit peu de ça, puisque il faut rejouer au jeu, réécouter les paroles pour comprendre qu'il se passe d'autres choses pendant ce temps, en fait. Hein. On est vraiment centré sur Artanis, mais il se passe d'autres choses à côté. Et c'est vrai que ça manque peut-être d'une ou deux missions à côté pour se rendre compte de l'invasion. Et au final, par exemple, peut-être une mission où on incarne Celendis à côté, pendant qu'Artanis et Zeratul font autre chose. En l'occurrence, donc, comme vous l'avez vu, l'héritage, encore une fois, c'est cette notion d'héritage. Artanis qui dit qu'il se sent peut-être pas à la hauteur de l'héritage de Tassadar et de ses aïeux. Au final, Zeratul qui lui dit « Non mais, aie confiance en toi ». Et ce qui est assez intéressant avec Legacy of the Void, pour l'avoir refait, c'est vrai que on voit une évolution d'Artanis qui au départ émet énormément de doutes. Limite, on a envie de lui mettre une taloche en lui disant « Eh oh !» Réveille-toi! T'as fait de bonnes choses avant, calme-toi! Et au départ, c'est vrai qu'il a du mal à avoir confiance en lui, il a du mal à se considérer à la hauteur de Tassadar, son mentor, son maître. Et petit à petit, pendant toute la campagne, on verra que des fois même c'est des dialogues un peu cartoonesques avec Amon qui vont lui faire prendre... Enfin, c'est par ces discours-là qu'on va comprendre que Artanis, petit à petit, prend confiance en lui. Mais c'est vrai que c'est un peu sous-jacent, peut-être que la mise en scène en souffre un petit peu à ce niveau-là. Mais bon, du coup... Artanis va au final tomber, puisque en fait cette invasion était prévue par Amon. Et au final, eh bien, dans une mission où on va incarner Zeratul, Zeratul va prendre conscience que certains Templiers ne répondent plus à l'appel. Certains ont été coupés du Kala. Celendis s'inquiète, d'ailleurs Celendis s'inquiète énormément et demande à Zeratul, vous savez, celle qu'elle juge d'hérétique, etc. Eh bien, gentiment, elle va demander à Zeratul d'enquêter puisque Artanis ne répond plus dans le Kala. Donc elle a été mise en attente, l'appel était occupé. Et au final, eh bien, Zeratul va découvrir que Artanis est tombé aux mains d'Amon comme pas mal de Templiers Protoss. Il fait l'enquête et il va tomber justement nez à nez avec Artanis.
Zeratul. Ce passage est encore une fois, est absolument exceptionnel et c'est ainsi que disparaît l'une des plus grandes figures, l'une des figures les plus emblématiques Protoss de StarCraft, l'une des figures tout simplement les plus emblématiques de StarCraft et l'un des héros Protoss les plus vieux de l'histoire de StarCraft, à savoir Zeratul. Nous avions perdu Tassadar dans StarCraft 1, maintenant nous perdons la figure emblématique des Templiers Noirs des Nerazim, à savoir Zeratul, qui choisit de se sacrifier dans un duel épique et qui fait d'ailleurs hommage à énormément de créatifs de chez Blizzard. Ce duel, à l'image des samouraïs, a une grosse inspiration très souvent japonaise. Dans les premiers concept art des Protoss, les Protoss avaient des espèces de katana psioniques. Et ce duel à la fin, ou vraiment à l'image d'un duel de samouraï, il y en a un qui tombe à la fin, il y a énormément d'hommages au niveau de la réalisation et de la mise en scène. Et on voit justement du coup Zeratul qui choisit de se sacrifier pour pouvoir libérer Artanis du contrôle d'Amon. Puisque Zeratul, c'est l'ultime sacrifice, de foi en fait. C'est le dernier acte de foi. Il considère qu'il a fait son temps et il a fait son œuvre, à savoir transmettre aux générations, transmettre à Raynor, transmettre à Kerrigan, transmettre à Artanis, et surtout, un petit peu à l'image de Kaldalys avant, Zeratul a foi en Artanis. Il y a eu cette cinématique avant, je voulais montrer pas par hasard, parce que au final on voyait justement Zeratul qui disait « Tu dois croire en toi Artanis, nous croyons en toi ». Il le dit pas texto, mais en fait, cette cinématique vous montre que Zeratul croit en Artanis. Alors évidemment, Artanis, il est responsable, il se sent responsable de la mort de Zeratul par la suite. Donc lui qui est en plein doute, ça le fait encore plus douter parce que c'est de sa faute, malgré lui, c'est de sa faute si Zeratul meurt. Donc c'est quand même quelque chose... Zeratul, c'est celui que tout le monde a chassé et qui a été, on va dire, cette lumière, le relais qui transmet toutes les informations de StarCraft 1 à StarCraft 2. Zeratul est celui qui a permis à Tassadar de lutter et de tuer l'Overmind. Zeratul est celui qui a permis à Raynor de trouver un nouveau foyer avec Tassadar et du coup une nouvelle lutte contre l'Overmind sur Aiur. Zeratul est celui qui a permis à Kerrigan de prendre le pouvoir dans StarCraft 1 lors de la Broudoire, hein, lors de la prise de contrôle des Essaims Zerg. Zeratul est celui qui a, dans le noir le plus obscur, a rappelé à Raynor qu'il avait besoin de Kerrigan pour la survie de la vie. Dans Heart of the Swarm, c'est Zeratul qui a fait en sorte que Kerrigan puisse prendre sa liberté, son plein potentiel, son plein contrôle et qu'elle accomplisse sa destinée. Et dans Legacy of the Void, pardon, c'est Zeratul qui va au final transmettre tout ce pourquoi il s'est battu et qui à la fin d'ailleurs dit pas Entaro, enfin il dit pas ma vie pour Tassadar. Les Templiers Noirs qui ont été chassés d'Aiur, qui ont été, on va dire, lâchement abandonnés par les Protoss, eh bien, malgré toute cette haine qui est présente chez les Nerazim, comme je vous en ai parlé un peu avant, eh bien, Zeratul, lui, les derniers mots sont « Ma vie pour Aiur », et une fois qu'il a accompli cela, il se rappelle encore de son devoir. Juste avant de mourir, il dit quoi ? Il dit à Artanis, « La clé, rappelle-toi la clé, il faut que tu trouves la clé », et jusqu'au bout, en fait, il se rappelle... on va dire, il va transmettre ces informations-là et surtout le devoir avant tout. Et malgré tous les griefs qu'il pourrait avoir, Zeratul fait partie des vieilles générations. Alors Zeratul n'a pas connu l'exil, mais il fait partie des toutes premières générations qui ont été exilées. Et du coup, eh bien, il aurait pu grandir dans une haine des Protoss, des Kalaï et dans la haine d'Aiur. Au final, il aura toujours été un message positif et un message de transmission et de respect, et qui aura servi de lien entre les trois différentes races de StarCraft. Et finalement, eh bien, il meurt là-dessus, il meurt comme ça, je trouve que c'est exceptionnel et c'est la figure, je dirais, la plus importante de StarCraft qui s'éteint dans StarCraft 2 et qui aura servi encore une fois, je le rappelle, je me répète un petit peu, mais de lien. Certains disent que StarCraft 2, parfois, ne suit pas StarCraft 1, je ferai une vidéo spéciale là-dessus, comme je l'ai dit, mais Zeratul est justement la pierre qui doit vous montrer que
depuis le début, en fait, beaucoup de choses étaient prévues. Hein, par, y a eu des changements, bien sûr, parfois des réécritures, des petits retcons aussi. Mais Zeratul est bien celui qui vous montre qu'il y avait quelque chose de plus grand qui était déjà présent à SC1. Et c'est déjà Zeratul qui en était l'auteur, on va dire. Qui était là pour nous le montrer, qui était là aussi pour le transmettre aux joueurs. Donc voilà, c'est un moment assez... assez important, la mort de Zeratul qui a empêché la fin des temps et qui servira d'Obi-Wan Kenobi, de prophète pour tout le monde jusqu'à présent. Avec la libération d'Artanis qui n'est plus dans le Cala puisqu'on lui a tranché les cordons nerveux, je rappelle que c'est aussi c'est une sorte de message puisque ce sont les Templiers Noirs qui se coupent les cordons nerveux eux n'ont pas le Cala, donc ils se coupent le cordon nerveux pour se couper du Cala. Mais les Templiers normaux, eux, ont toujours leur cordon nerveux. Et au final, eh bien, Zeratul libère Artanis du Cala. Le Cala qui a été corrompu par Amon. Et du coup, tous les Protoss d'Aiur qui sont dans le Cala, eh bien, sont contrôlés par Amon. Donc les Nerazim présents lors de l'invasion d'Aiur vont permettre... certains vont couper les cordons nerveux pour les libérer de la corruption d'Amon. Artanis étant libre, alors qu'il était, comme Amon l'a signalé, il était devenu le corps, c'était devenu l'avatar un petit peu d'Amon. Eh bien, c'est maintenant Celendis, l'exécutrice en chef des Protoss, qui va servir de dirigeant général des armées Protoss. Et du coup, Celendis ne sera pas jouable et ne fera pas partie des héros de Legacy of the Void, puisqu'elle sera possédée par Amon. Et du coup, dès que les Protoss d'Aiur apparaîtront, ce sera Celendis. Amon parlera par le biais de Celendis, qui lui servira de vaisseau. Elle devient le réceptacle temporaire d'Amon. Mais on y reviendra dans la partie 2. Du coup, affrontement entre toujours l'affrontement bien sûr entre Protoss et Zerg, mais maintenant il y a un affrontement entre les différents Protoss. Et les Kalaï, donc retrouvés, se voient sectionner leur cordon nerveux pour les libérer bien sûr du joug d'Amon. Et lors de cette libération, il y a un Kalaï, donc un Templier d'ailleurs, un Protoss d'ailleurs, pardon, pas un Templier justement, qui est tout simplement, là pour le coup, alors je le rappelle, Kalaï c'est à la fois une caste dans la société Protoss, mais c'est également les Protoss d'ailleurs qu'on appelle Kalaï. Là c'est vraiment quelqu'un de la... Enfin c'est tout simplement donc un personnage issu de la caste des Kalaï, donc des fabricants, des artisans, qui s'appelle Karax, qui était d'ailleurs sous les ordres de Celendis, et Celendis l'avait envoyé à Zeratul avant qu'elle soit contrôlée par Amon. Et du coup, Karax va... Les Nerazim vont lui couper son cordon nerveux, et du coup, Karax va être aux côtés d'Artanis, va retrouver Karax, et ils ont besoin justement d'extraire d'ailleurs, parce qu'en gros, toute la force d'invasion devient les adversaires. Et Amon contrôle maintenant les Zergs sauvages d'ailleurs, plus les Templiers d'ailleurs. Donc il faut trouver un moyen pour pouvoir faire en sorte que les rares Templiers qui ont vu leur cordon nerveux coupé, ainsi que les Templiers noirs, tous rassemblés pour essayer de fuir Aiur, parce qu'Aiur est perdu. Aiur, de nouveau, est perdu pour les Protoss. Donc c'est un moment absolument terrible. Et c'est vrai qu'en termes de mise en scène, on voit pas assez. On n'a pas assez, je dirais, ce côté... bien sûr, l'invasion se passe très mal, ça on le voit. Mais là, on n'a pas le côté... une nouvelle fois, l'invasion d'Aiur... est raté et de nouveau des ennemis prennent le contrôle d'Aiur. C'est un peu, c'est bien sûr c'est compris et c'est dit, mais je trouve que ça manque un petit peu en mise en scène. On aurait pu encore plus le mettre en avant. Mais du coup, c'est Karax, le Protoss issu de la caste des Kalaï, qui va remettre en état une antiquité, à savoir une arche conçue pour les moments comme celui-ci, à savoir un moment où la civilisation Protoss serait au bord de l'extinction, au bord du précipice de la fin. Et du coup, si la civilisation Protoss était menacée d'extinction, ces arches-là serviraient d'arche d'espoir pour pouvoir mener les Protoss parmi les étoiles et trouver des nouveaux mondes et pouvoir coloniser de nouveaux endroits, de nouvelles planètes. Alors, c'est vrai que dans Legacy of the Void, ces arches, on a un peu l'impression qu'elles sortent de nulle part. Il y a la nouvelle, justement, sur Roana, qui est très importante et que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube où j'en parle. Et honnêtement, la nouvelle était super bien foutue. Et c'est vrai que quand vous jouez seulement Legacy of the Void, vous dites ouais, « ça sort un peu de nulle part ce truc ». Pourquoi on ne l'a pas utilisé à StarCraft 1 à ce moment-là, quand Aiur était pris? Et au final, c'est bien expliqué par la nouvelle. Et surtout, l'assaut sur Aiur a fait que le conclave, et surtout, je dirais le côté très,
très arrogants des Protoss ont fait, qu'ils se sont jamais dit qu'ils étaient au bord de l'extinction, et au moment où ils se sont dit non, il faut qu'on se replie, c'est plus possible, et ben ils ont pas eu le temps de récupérer, ils étaient encerclés, ils ont pris juste le portail pour pouvoir fuir vers Chakuras, et à aucun moment ils ont pu aller récupérer ces arches. Donc c'est globalement bien expliqué, et c'est Karrax donc qui va pouvoir le Forge Phase, hein, donc vraiment quelqu'un qui est, c'est l'ingénieur en Protoss, hein, tout simplement. Forge Phase, c'est juste un ingénieur Protoss qui va remettre en état l'arche et qui va permettre du coup à ce vaisseau de prendre son envol. Alors vaisseau, c'était même un petit mot pour rappeler ce qu'est l'arche. Alors je le rappelle, il y a 3 arches qui ont été conçues à la base, et la seule arche qui sera en état, parce que les 2 autres ont été détruites, et celle-ci était la seule en état de marche, eh bien elle s'appelle la lance d'Hadoun. Encore une fois, le message pour Hadoun, etc. L'union des Protoss, les Délames, tout ça, eh bien, la lance d'Hadoun. Hadoun qui est du coup présent sous la forme d'un vaisseau. Alors, ce vaisseau est pas petit, hein. C'est vrai que Blizzard, avec StarCraft, nous a fait du toujours plus gros à ce niveau-là. Et parfois, l'échelle, on s'en rend pas compte. On se rend pas compte de l'échelle parce que bah, y a toujours du plus gros. Et comme un peu dans des univers de science-fiction... Bah, le problème, c'est que le rapport d'échelle, on a du mal à le voir. On est dans l'espace. Donc on a du mal à se rendre compte de l'échelle. Mais on a les dimensions. Blizzard a très bien fait son travail là-dessus. Et on a les dimensions de l'arche, donc de la lance d'Hadoun et des 3 arches. Et c'est gigantesque. Absolument gigantesque. Elle fait tout simplement 175 km de longueur. C'est absolument... Non, c'est pas... je sais plus si c'est 175 ou 75. Mais c'est absolument... colossal, c'est gigantesque. Les Léviathans de Kerrigan, qui sont mais 10 fois plus grands que des vaisseaux mères Terran, et bah le Léviathan, c'est un moustique à côté. C'est un moustique. Le truc, et je crois que c'est juste 75. Je crois que c'est juste 75 km. Mais ce qui est déjà gigantesque, hein, 75 km. Hein, c'est quasiment. Non, c'est bien ça. C'est 75. C'est quasiment Toulouse-Agen. Hein, c'est un peu plus petit. C'est un peu plus grand Toulouse-Agen, mais. Enfin. C'est une distance gigantesque. Et ça, c'est un vaisseau qui sert enfin, le machin, c'est gigantesque. Vous vous rendez compte de l'échelle. C'est un des plus grands vaisseaux de l'univers de StarCraft. C'est même le plus grand vaisseau de l'univers de StarCraft. Mais c'est pas fini, parce que Legacy of the Void va nous donner un truc qui est encore plus gros que la lance d'Hadoun. Mais du coup, ce truc-là sert à, potentiellement, comme je vous l'ai dit, si jamais la race Protoss devait s'éteindre, eh bien, ça doit servir de phare parmi les ténèbres. Et du coup, il y a des Protoss qui, à l'époque de l'âge d'or, parce que c'est des bâtiments de guerre qui ont été construits à l'époque de l'âge d'or des Protoss, et certains ont choisi de sacrifier leur vie. Et c'est là où on voit encore les Protoss, c'est absolument incroyable, ce sacrifice envers la cause, envers le bien commun, la multitude, puisque, eh bien, donc comme je l'ai dit dans la nouvelle, enfin comme je vous en ai parlé dans la nouvelle de Roana, eh bien, ce vaisseau est prêt pour la guerre et pour tout ce qu'il faut, et à tout ce qu'il faut, que ce soit de la technologie, que ce soit des armées. Parce que là on pourrait se dire bah oui bah, l'invasion elle s'est très mal passée, il y a qu'un petit bout de la force d'invasion qui a pu rejoindre la lance d'Hadoun. Eh bien la lance d'Hadoun intègre également des Protoss qui ont choisi de sacrifier leur vie en se mettant en stase pour être prêts le jour où la guerre, enfin la survie de l'espèce Protoss serait menacée. C'est juste incroyable. Alors bien sûr, d'un point de vue scénario, on se dit ah bah ça tombe au bon moment ce truc là. Mais c'est très Protoss. Le sacrifice, le fait que des mecs se mettent en stase pour défendre le Protoss, le Kala, Ayur, le jour où on en aura besoin, c'est très Protoss. Hein. C'est vraiment très très Protoss. Et au final, bah, ça fait qu'il y a une belle petite armée, hein, qui est disponible. Et la lance d'Hadoun a la technologie suffisante, voire construire des vaisseaux de guerre, etc. En son sein. Donc c'est tout un monde. Et comme Zeratul l'avait transmis évidemment à Artanis, eh bien Artanis va se mettre en route pour Koral pour pouvoir récupérer justement la clé Xel'Naga. Alors au sein de l'Arche, il va faire la rencontre de Roana. Roana qui est ce qu'on appelle un conservateur. Conservateur, donc une nouvelle figure féminine. Enfin un héros Protoss féminin. Roana qui elle aussi s'était laissée en stase pour le jour où la race Protoss serait menacée d'extinction et du coup le moment où on réactiverait la lance d'Hadoun, et bien là où tous les autres Protoss servent de combattants ou de techniciens, elle était en stase et sert du coup de conseiller, de conseillère, puisque dans cette espèce d'arche, d'espèce d'halo que vous voyez derrière la tête de Roana, et bien en fait
c'est le boulot d'un conservateur, c'est Wikipédia en gros, mais organique. C'est-à-dire qu'elle a la mémoire de toute l'histoire Protoss dans sa tête. Mais encore une fois, on est dans le cas là, on est dans les Protoss. Donc c'est pas juste l'histoire. C'est aussi des émotions, des sensations. Elle est une banque vivante d'informations. Et informations juste historiques, mais comme je l'ai dit, sensorielles également. Donc, allez voir vraiment la nouvelle sur Roana si vous voulez comprendre un petit peu comment ça se passe, parce que malheureusement, je peux pas parler de tous les personnages, sinon ça prendrait des heures et des heures et des heures. Mais Roana va tout simplement être la figure qui remplace Aldaris de StarCraft 1. Donc c'est une judicatrice, je sais pas si ça se dit. Et donc elle sera celle. En plus, elle s'est mise en stase à une époque donnée. Donc elle n'a pas connu la réunion des Templiers noirs et des Templiers. Elle n'a pas connu la réunion, justement la perte d'Ayur et la reconquête. Enfin et le combat sur Shakuras. Elle n'a pas connu cette époque-là. Donc ce qui est très intéressant, c'est que ça nous fait un peu les vieilles figures Protoss, notamment du Conclave, qui ne comprend pas pourquoi on aide les Templiers Noirs, qui ne comprend pas pourquoi on parle aux humains, etc. Parce que ça nous rappelle vraiment les Protoss d'avant, les Protoss très fermés, très arrogants, très traditionnalistes, très conservateurs, enfin conservateurs, c'est mauvais jeu de mots, mais très conservateurs. Et du coup, elle a cet état d'esprit vieillot, et c'est une Aldaris au féminin. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en dehors d'être un Aldaris au féminin, Aldaris, qui je le rappelle était le judicateur de StarCraft 1, très intéressant. Je l'ai promis, hein, je ferai une vidéo sur lui un jour, parce que c'est vraiment un personnage très cool, même s'il a pas grand chemin. C'est un personnage très cool, je trouve, Aldaris. C'est grâce à Broudoir notamment, parce que sinon il serait juste chiant. Mais grâce à Broudoir, c'est un personnage très intéressant. Et au final, Aldaris a sa personnalité, Roana a sa personnalité. Ils tiennent tous les deux le rôle du conseiller qui est là pour donner des informations et autres. Mais ils ont quand même leur personnalité propre, ce qui fait que c'est juste pas un Aldaris bis. Et ça, c'est vraiment aussi intéressant, je trouve. Mais elle est là pour représenter un vieil état d'esprit et les Kalaï très conservateurs de l'époque. Donc ils se mettent en route, comme je vous l'ai dit, pour Coral, et elle aura toujours ce rôle à jouer dans la campagne. Elle va questionner les agissements d'Artanis à l'égard des déchus, à l'égard des Templiers Noirs. Elle va questionner leur rapport à l'égard des Purifiers également, j'y reviendrai après. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Donc Artanis, comme je l'ai dit, se met en route avec la lance d'Adun sur Coral, comme Zeratul lui avait demandé pour récupérer la clé Xel'Naga. En route, en orbite, il est attaqué par des vaisseaux Terran, et là du coup Artanis ne comprend pas. Il rentre en contact avec Jim Raynor, et Raynor eh bien, va lui dire c'est un plaisir de te rencontrer, Artanis. Alors c'est vrai que ça fait plaisir de voir Raynor, parce que Raynor est le Terran qui a probablement le plus eu de contact avec les Protoss, et je rappelle quand même que Raynor est un héros pour les Protoss. Alors que c'est un humain, je rappelle que les Protoss considèrent les humains comme une race inférieure, donc Raynor est un héros. Ça c'est notamment grâce à StarCraft 1. Et c'est vrai que Legacy of the Void avait la lourde charge de nous parler de l'histoire des Protoss, les Protoss qui avaient été vraiment mis de côté, et puis il faut se remettre dans la mentalité des joueurs de l'époque. SC2 est sorti en 2010, Legacy of the Void est sorti en 2015. Pendant 5 ans, les Protoss ont attendu leur heure patiemment en disant « Bon bah ok, dans Wings of Liberty, ok, on nous voit un petit peu ». On n'apprend pas grand chose. Dans Heart of the Swarm, bon, il y a une colonie qui est attaquée par Kerrigan, bon, qui nous montre que Kerrigan, bien qu'elle soit sous son libre arbitre, elle fait encore un peu des choses criminelles. Et on attend, on attend, on attend. Donc les Protoss ont longtemps attendu leur heure, et il y a clairement un parti pris qui a été fait, parce que Raynor était toujours là, toujours présent pour combattre avec les Protoss. Et dans Legacy of the Void, cette mission, on va dire, ces deux missions-là sont là pour nous montrer l'amitié proto-terran, on va dire. Mais au final, eh bien, c'est vrai que Raynor a dû sacrifier son rôle d'ami Protoss pour permettre à d'autres Protoss de briller dans cette campagne. Parce que sinon, Raynor aurait peut-être asphyxié un ou deux personnages. Donc, Raynor a été volontairement mis de côté dans la campagne de Legacy of the Void, à tort ou à raison, ça, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Mais moi, je pense que c'est quand même relativement à raison, même si vous êtes un vieux de StarCraft, c'est vrai que c'est un peu triste de se dire que Raynor aurait pu apparaître plus dans Legacy of the Void. Mais bon, il y a déjà plein de persos Protoss qui n'ont pas eu assez d'heures de gloire. Pensez à Urun, évidemment. Alors, bien sûr, j'ai parlé d'Urun. Il faut bien comprendre que Celendis est tombé sous le contrôle d'Amon. On peut imaginer que Urun et Keldalis soient tombés aussi sous le contrôle d'Amon, comme tous les Protoss. Mais comme c'est pas textuellement dit, c'est vrai que Urun, on sait qu'il est pas mort. Comme il était le dirigeant de l'Armada Dorée, j'y reviendrai après, l'Armada Dorée, on sait qu'elle est sous le contrôle d'Amon. Donc il y a forte chance qu'Urun le soit. Keldalis, lui, on ne sait pas. En tout cas, sur Coral,
Eh bien, Raynor dit, bah, je peux vous filer la clé, il n'y a pas de problème. Mais pour ce faire, eh bien, il va falloir que vous nous aidiez parce qu'on est attaqué par le contingent Mobius. Et le contingent Mobius, dirigé par les hybrides, eh bien, est en train de nous faire très mal. Il y a notamment la réutilisation d'une des plateformes orbitales autour de Coral, hein, la planète capitale de l'Empire Terran, du Dominion Terran. Eh bien, ils ont saboté la plateforme orbitale pour qu'elle tombe, pour qu'elle chute sur la capitale du monde de Coral, à savoir Augustgrad. Et je l'ai dit, hein, y a beaucoup de noms, mais je m'en excuse. Mais bon, c'est la capitale de Coral, voilà, qui était également la planète capitale. Et du coup, les protos vont faire en sorte d'empêcher que la station orbitale tombe. Et finalement, il va y avoir un combat également dans les rues d'Augustgrad pour détruire les hybrides. Il y aura énormément de pertes. Je vais vous passer la cinématique, même si elle est assez sympathique, mais je vous passerai la cinématique parce que sinon ça prendra trop de temps. Mais globalement, eh bien, les Protoss ont sauvé les Terrans. Leur intervention a permis de sauver les Terrans. Et Raynor va encore une fois dire merci Artanis. Raynor va nous informer de choses très importantes, à savoir que le contingent Mobius attaque différents mondes de l'Empire Terran, du Dominion Terran, ce qui explique en fait pourquoi Raynor n'intervient pas dans Legacy of the Void, puisque Raynor et l'amiral Matt Horner vont devoir défendre leur propre monde pendant que les Protoss font leur truc dans leur coin. Donc c'est vrai que ça peut être un peu triste, je vous le redis, mais on a la justification, on sait ce que fait Raynor pendant ce temps. Ils se défendent contre le contingent Mobius. Faut imaginer que c'est vraiment la guerre de la fin des temps, hein, pendant ce temps. Donc Kerrigan fait ses propres trucs, elle a ses propres assauts à mener. Raynor et le Dominion Terran ont leurs propres assauts à gérer. Et du coup, c'est pour ça aussi que dans la cinématique à la fin, Raynor dit à Artanis, fais leur payer Artanis. Et Artanis se re-téléporte sur la lance d'Adun et dit, t'inquiète pas, on le fera. Pendant ce temps, Rory Swan du coup va donner la clé, tout simplement, Xel'Naga à Karax. Enfin, Raynor et Rory Swan. Rory Swan, c'est l'ingénieur qui était dans Wings of Liberty, l'ingénieur en chef de Raynor, qui va donner la clé donc à Karax, d'artisan à artisan, on va dire d'ingénieur à ingénieur. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, toutes les informations compilées dans Wings of Liberty et dans Heart of the Swarm, donc toutes les informations que les Terrans ont de la clé Xel'Naga va être transmis. C'est dit dans un dialogue de Legacy of the Void, va être transmis. Donc Rory Swan et Egon Stettman, qui avaient fait un gros travail pour déchiffrer la clé et comprendre ce que la clé fait, eh bien, ils vont envoyer tout ça à Karax. Et ça va être des informations très importantes pour permettre à Karax de déchiffrer encore plus en avant, sachant que lui, il a beaucoup plus d'informations et il connaît beaucoup plus la technologie Xel'Naga. Mais ces informations-là vont lui servir justement de préparation pour pouvoir mieux comprendre comment fonctionne la clé. Et c'est assez intéressant parce que Karax, d'ailleurs, respecte un petit peu les Terrans et dit, ils ont quand même des informations intéressantes, mais bon, malgré tout, ils comprennent pas trop comment fonctionne l'artefact. Mais bon, ça m'a aidé quand même, ça m'a aidé. Et pendant ce temps, on va recevoir la nouvelle. Alors, le problème de Legacy of the Void, et pour moi, ce qui a été très difficile aussi, c'est d'avoir une route de narration. Parce que Legacy of the Void, contrairement à Wings of Liberty, Heart of the Swarm, ça part dans tous les sens. Il y a plein de missions qui peuvent être faites en parallèle, etc. J'ai choisi la manière la plus logique de narrer cette avance. Je veux dire, quand vous avez Zeratul qui se sacrifie, qui dit va chercher la clé, je vois pas Artanis dire non. Donc c'est pour ça que j'ai choisi l'avancée de Coral, mais en parallèle, Shakuras est attaquée. Donc la planète monde des Templiers Noirs est attaquée, et du coup des Nerazim vont informer Artanis de l'attaque, et la lance d'Adun va du coup se mettre en route pour Shakuras, la planète mère des Templiers Noirs, puisque, je le rappelle, il y a un portail, le portail de Broudoir, qui permet aux Protoss d'Aiur de fuir vers Shakuras. Et bien, il y a un portail donc, qui relie Aiur et Shakuras. Les Protoss l'avaient condamné, notamment dans la saga du Templier Noir, mais ils l'avaient condamné déjà dans Starcraft 1 pour pas que les Zergs envahissent Shakuras. Le problème, c'est que Amon a le contrôle des hybrides et de Selendis, de l'Armada Dorée, etc., etc. Donc le portail va être réouvert et les Zergs vont de nouveau attaquer Shakuras en nombre. Et contrairement à Broudoir, où il y avait les cristaux, Calice et Ourage, permettant de détruire toute forme de vie Zerg à la surface de la planète, le problème, c'est que dans Broudoir, on avait réussi à condamner le portail. Là, il est directement alimenté par Amon, donc c'est impossible de le fermer. Du coup, les Zergs viennent par milliards, et du coup, c'est un problème. Donc, il va falloir évacuer Shakuras, et Shakuras est totalement tombé en fait. Hein. Les différentes villes Templiers Noirs
tombent, les différentes villes Nerazim tombent, et au moment où au moment où la lance d'Adun pardon et Artanis arrive en orbite, c'est Vorazun, la matriarche des Templiers Noirs, qui se fait une joie d'accueillir Artanis en vocal sur Skype, bien sûr, le Skype Protoss. Alors, je sais que beaucoup se disent, mais attendez, en fait, ils se parlent par le Kala. Même sans Kala, ils peuvent parler par télépathie. Hein. Je sais que des fois, il y a la confusion qui se fait. Donc, comme je vous l'ai dit, Amon a réouvert les portails. Shakuras est en train de tomber. La garde de l'ombre, donc l'armée Nerazim, est débordée. Ils n'arrivent pas à vaincre. Et ce qui fait qu'Artanis va intervenir pour faciliter et assurer tout simplement l'évacuation des Nerazim. Et notamment, la mission se jouera à Talematros, à savoir la capitale de Shakuras, donc la capitale des Templiers Noirs. C'est à ce moment-là que Vorazun va être évacué, ainsi que la plupart des Nerazim, dans l'arche. L'arche qui sert encore une fois de... C'est un peu l'arche de Noé, bien sûr, sauf que c'est jamais vraiment dit, mais c'est vraiment l'arche qui permettra à la race Protoss de pouvoir se sauver et de pouvoir se refaire. Il y a le côté vraiment biblique avec la fin des temps, et du coup, eh bien, pour survivre à cette fin des temps, on a besoin d'une arche. Et là, bah, c'est la lance d'Adun, évidemment, qui est à la fois le recueil pour les Templiers Noirs et les Templiers Normaux, et du coup l'évacuation va se faire. Finalement, une fois que l'évacuation est terminée, c'est Vorazun, personnage que je vais décrire un petit peu en ligne, qui est importante puisqu'elle est la fille de Razagal, donc elle porte un lourd fardeau sur ses épaules, puisque bah, il y a peu de temps c'était Mandar qui était le chef des Templiers Noirs. Mandar a été tué dans un attentat, et du coup eh bien, c'est Vorazun qui prend le contrôle. Et Vorazun, elle est encore jeune pour un Protoss, elle est encore jeune pour une Templier Noire. Et d'un côté, on a Artanis qui doit accueillir tout le monde. Et de l'autre côté, on a Vorazun qui doit prendre le pouvoir chez les Templiers Noirs et qui doit faire, en fonction de deux, on va dire, philosophies Nerazim, ceux qui veulent l'unité Protoss et les traditionalistes, dont elle fait partie d'ailleurs, qui ne veulent pas oublier leurs racines et leurs traditions. En l'occurrence, pour elle, c'est quelque chose de très important. Et au final... elle considère que Shakuras est tombé et ne peut pas être sauvé, et Artanis se dit il y a bien un moyen de pouvoir faire quelque chose. Et à partir du moment où l'évacuation est terminée, Vorazun prend une décision qui est dure, c'est je préfère voir Shakuras détruite plutôt que tomber aux mains des Zergs. Et elle rappelle quelque chose, un fonctionnement qui est très important chez les Templiers Noirs. Les Templiers Noirs, on l'oublie souvent, mais sont des nomades. C'est-à-dire qu'ils ont une ville sainte qui est... enfin une planète sainte qui est Shakuras, où les Templiers Noirs sont sédentarisés, mais les Templiers Noirs continuent de voyager parmi les étoiles et font cette espèce de pas de croisade, parce que c'est trop militaire, mais cette espèce de recueil, cette espèce d'avancée spirituelle et d'information, en fait, en vadrouillant parmi les étoiles, comme l'a beaucoup fait Zeratul. Donc elle rappelle, justement, dans les traditions des Nerazim, des Templiers Noirs, qu'ils sont des nomades. Et du coup, même si Shakuras n'est plus là, c'est pas grave, ils ont toujours un monde à eux qui est Ayur. Et du coup, il faudra reprendre Ayur, un de ces quatre. Donc, elle explique que le temple qui a servi d'embroudoir pour détruire les airs, eh bien, on peut utiliser ce temple pour faire sauter la planète. Et Artanis, du coup, par ces informations-là, se dit, eh ben, on va faire d'une pierre deux coups, puisque ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester défendre le temple, on va activer le temple, mais on va s'en servir tout simplement pour faire un maximum de pertes pour Amon. On va attirer le plus de zergs sur Ayur, le plus de zergs possibles qui viennent d'Ayur par le portail, et on va aller tous les attirer à Talematros, enfin près de Talematros, donc au sein du temple, parce que le temple n'est pas tout à fait à Talematros. On va tous les attirer sur le temple Xel'Naga. On va attirer des milliards et des milliards et des milliards, il y a d'ailleurs un compteur de milliards dans la mission, pour voir le nombre de zergs qui arrivent, et à ce moment-là, on fera sauter la planète pour infliger une blessure profonde aux forces d'Amon. Et évidemment, il y a quelque chose de très important, et quand je vous parlais de clin d'œil à l'univers étendu, eh bien, on va le voir juste après. La splendeur du Kala.
multitude. Des braves qui, génération après génération, choisissent d'endosser le rôle de Templiers Noirs. Et cette cinématique, encore une fois, je suis désolé, je me répète, mais elle est absolument exceptionnelle d'un point de vue, bah bien sûr c'est ultra badass, même quelqu'un qui connaît pas trop l'univers de Starcraft, vous lui montrez cette cinématique, il est comme un fou, enfin il se dit, oh, c'est incroyable, c'est une cinématique Michael Bay, c'est incroyable. Mais ce qui est génial, ce que je trouve que Legacy of the Void est quasi parfait à ce niveau-là, c'est dans sa capacité à honorer, à faire des gros clins d'œil au passé, donc aux anciens joueurs qui ont joué à Starcraft 1, c'est la mission de Brood War, encore une fois, c'est la mission de fin de Brood War, avec le cristal, mais cette fois c'est pas Khaleesi et Urage, mais un autre cristal qui va servir un peu à activer un temple, etc. Donc vous avez le côté clin d'œil, côté hommage aux anciennes campagnes de Starcraft, tout en proposant un nouveau contenu et un regard neuf sur... pour faire avancer. Et je trouve que c'est exactement comme ça que Blizzard devrait travailler et que d'autres créateurs d'ailleurs de contenu devraient travailler leurs propres univers pour la suite en fait. Et ce qui est magnifique, je trouve, c'est d'arriver à lier l'univers étendu tout en expliquant l'univers étendu aux joueurs qui n'ont pas accès à cet univers étendu. Parce que cette cinématique, déjà la première fois quand vous connaissez rien d'autre, vous dites elle est méga classe. Mais quand vous avez lu le livre La Reine des Lames, où vous voyez Tassadar, parce que ce rite, là en plus c'est la voix de Zeratul, il y a Zeratul est mort et on entend Zeratul qui évoque ce qu'est la marche de l'ombre, ben forcément on a la larme aux yeux, enfin on est là, c'est incroyable, Zeratul qui nous parle d'un rite, le rite de passage qui fait que n'importe quel jeune Nerazim devient enfin un adulte. C'est le rite de passage chez les Templiers Noirs, c'est le rite de passage chez les Nerazim, et c'est Zeratul qui vous explique ce que c'est, et ça fait hommage à la marche de l'ombre que Tassadar avait accompli dans le livre donc de la reine, la reine des lames sur Char, où eh bien Zeratul avait appris tous les enseignements templiers noirs à Tassadar, le maître d'Artanis, qui du coup eh bien continue l'héritage de Zeratul et l'héritage de Tassadar pour accomplir la marche de l'ombre. C'est ce que dans le vaisseau Vorazun rappellera, pour bien le rappeler, que qu'Artanis, en luttant seul dans le temple, a accompli le rite de passage des Templiers Noirs, à savoir couper le cordon nerveux et se battre seul contre une multitude de guerriers afin de protéger le bien commun, la civilisation Nerazim, puisqu'il se bat sur Shakuras. Et ce passage est magnifique, parce que d'un point de vue mise en scène et réalisation, c'est superbe. Le moment où on se dit Artanis est vaincu, et ça aussi c'est quelque chose qu'on oublie, on se dit souvent qu'Artanis c'est un guerrier, mais c'est également un très grand psycheur. C'est un haut templier, Artanis, donc c'est un mec qui est capable de mettre des tempêtes psioniques, etc. etc. Et on le voit beaucoup plus utiliser aussi ses pouvoirs psychiques, et d'un point de vue mise en scène, d'un point de vue message, d'un point de vue philosophie, ce passage est super important, parce que on l'a vu maintenant, Artanis a également le gantelet de Zeratul pour lui rendre honneur, ce qui est aussi un symbole bien sûr de l'union. Il a d'un côté la garde et l'héritage des Kalaï, de l'autre il a l'héritage des Nerazim, Templiers Noirs. Il est le hiérarque, le chef des Délames, il incarne les deux pans en fait de la civilisation des Délames. Et maintenant, on le considère même comme un Templier Noir, car il a accompli, c'est pas tout à fait la marche de l'ombre, mais il a accompli quelque chose, il a accompli quelque chose qui ressemble énormément à la marche de l'ombre. Et du coup, Vorazun considère que maintenant Artanis est également un Templier Noir, puisqu'il a accompli une espèce de marche de l'ombre. Bon, Artanis, lui, c'est pas ce que c'est, lui, il sait pas du tout. Et à l'inverse de Tassadar, Tassadar avait eu les informations pour maîtriser l'énergie du vide, etc., pour vraiment avoir les pouvoirs. Artanis, lui, n'a pas les pouvoirs d'un Templier Noir, mais il a accompli le rite initiatique des Templiers Noirs. Donc cette cinématique est extrêmement belle et profonde, surtout, et je parle pas du fait que le cristal tombe et détruise la planète, mais au final, elle est extrêmement profonde. En tout cas, c'est voilà, donc c'est le moment où on quitte Shakuras. Shakuras a été détruite,
Donc encore une fois, c'est également tellement symbolique. On a perdu Zeratul, on perd Shakuras. Je vous ai dit en début de vidéo qu'il y avait peu de pertes dans Legacy of Zod. Il y en a heureusement, c'est quand même la guerre de la fin des temps. Mais c'est vrai que Shakuras, c'est un gros coup. Hein. C'est, mine de rien, c'est un endroit très très important dans la mythologie StarCraft. Et au final, eh bien, cette planète est détruite. Maintenant, la lance d'Adun, comme je vous l'ai dit, ça vient d'une époque où c'était l'âge d'or des Protoss. Donc, on redécouvre du savoir. Alors, je sais que c'est quelque chose qui, en science-fiction, est toujours très difficile à imaginer pour la plupart des gens, qu'on puisse perdre son avancée technologique. En fait, il faut bien comprendre, je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais que les Protoss ont une avancée technologique monstrueuse par rapport aux Terrans. Et en gros, c'est un... Dans notre... Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais donc dans notre histoire, c'est déjà arrivé, à par moment, que du savoir se soit perdu, notamment par rapport à la transmission orale et la transmission écrite. Quand vous êtes en transmission orale, si vous n'avez pas de support écrit, bah, potentiellement vous pouvez perdre des choses, vous pouvez perdre du savoir, que ce soit au niveau médecine, au niveau technologique et autres. Et on a perdu un peu dans le savoir avec la fin de l'Empire romain. Ce qui est à la fois vrai et pas vrai, mais bon, je schématise pour que ce soit plus facilement compréhensible. Chez les Protoss, c'est ça, mais puissance 10, puisque les Protoss, en gros, c'est différent, c'est pas parce qu'ils ont perdu leur empire, mais c'est que les Protoss, eh bien, à un moment donné, ils sont arrivés au pinacle, je dirais, de l'évolution technologique et physique des Protoss, et ensuite est arrivé quelque chose qui est ce qui fait disparaître toutes les civilisations, c'est l'arrogance. C'est, on reste sur nos lauriers, on a atteint un stade où la technologie nous permet de tout faire, et du coup, eh bien, on a plus besoin de... On prend tout de haut et on se dit, de toute façon, il n'y a pas de problème. Donc, il y a eu une perte petit à petit, ça s'est pas fait comme ça, c'est assez bien dit dans l'univers étendu globalement des Protoss, mais petit à petit, en fait, on a mis de côté des choses parce que ça allait à l'encontre de nos codes sacrés, du Kala, etc., de nos convictions et de notre philosophie, et du coup, on a mis de côté certaines choses que l'on redécouvre par la suite. Et la lance d'Adun est l'un de ces bijoux technologiques et qui permet aussi d'avoir les informations, notamment grâce à Roana, qui est une banque centrale d'informations, permet de redécouvrir des choses. Et Karax tombe sur tout simplement le projet purificateur. Le projet purificateur, qu'est-ce que c'est? Alors, je ferai une vidéo vraiment centralisée sur les purificateurs, mais bien sûr, c'est important de le rappeler dans cette vidéo. Les purificateurs, ce sont tout simplement la création de l'intelligence artificielle, qui est une thématique très présente dans la science-fiction et très peu dans StarCraft. L'intelligence artificielle, les Protoss ont créé une intelligence artificielle. Si vous connaissez Mass Effect, hein, tout ce qui est thématique sur l'intelligence artificielle, moi j'aime énormément, je trouve ça très intéressant. Et au final, eh bien, l'intelligence artificielle des Protoss, ils ont créé des Protoss synthétiques en fait. Et ces Protoss synthétiques se sont rebellés dans l'histoire Protoss. Et c'est pour ça aussi que le Conclave, l'ancien organe dirigeant, avait mis de côté, avait archivé les informations et les avait... ce qui fait que peu de gens connaissent l'existence des Purifiers, des Purificateurs en français. Eh bien, pour éviter justement que ce savoir, cette arme, tombe dans de mauvaises mains. Et en gros, c'est un projet donc de création de... Parce qu'en fait, bah, plutôt que de perdre des vies, humaines, des vies Protoss, eh bien on va utiliser des vies synthétiques qui auraient été en fait des drones, des robots, hein, des espèces de drones Protoss. Mais au final, on a les Protoss ont tellement bien travaillé qu'ils ont créé une intelligence artificielle, et cette intelligence artificielle, eh bien, va se rebeller. Skynet chez les Protoss va se rebeller, puisqu'en fait, eh bien, ils vont être utilisés comme des esclaves, comme des guerriers, mais sans l'honneur qui est dû aux Templiers. Et du coup, le traitement des purificateurs, donc des purifiers, va être très très mauvais. Ce qui fait que les purifiers vont se rebeller. Et ils vont tuer toute une colonie, ils vont tuer une colonie avec guerriers, combattants, judicateurs, Kalaï, quoi. Ils vont tuer tout le monde sur une colonie de recherche, sur un centre scientifique. Ce qui fait que les purificateurs vont être mis en stase, vont être enfermés et vont être laissés de côté pour... peut-être un jour retravailler dessus, mais pour la sécurité des Protoss, on a enfermé les purificateurs qui ont tué des Protoss. Le conclave, un peu avant la première guerre, le conclave, donc Aldaris en faisait partie à ce moment-là, le conclave avait repris le programme de recherche du purificateur. Donc il faut bien comprendre qu'il y a deux générations chez les purificateurs. Il y a la première génération qui date de la fin de l'âge d'or, on va dire, des Protoss, où ils ont créé des espèces de drones, des combattants synthétiques. Et il y a une deuxième génération du projet purificateur, c'était le projet de renaissance des purificateurs,
le projet de renaissance du programme purificateur plutôt, parce que c'est un programme pour pouvoir en fait transférer des mémoires des plus grands guerriers Protoss en unités synthétiques qui pourraient même après leur mort et bien continuer à combattre. Je vous arrête tout de suite, il n'y a pas Adun dans les purificateurs. C'est peut-être une question que vous vous posez, non. Mais du coup, il y a des Protoss qui sont morts et on a transféré leur conscience, on a copié leurs souvenirs pour faire des êtres synthétiques. Le Conclave, lors de la chute d'Ahur, avait lancé un peu, avait essayé de relancer en secret le projet. Et ils ont notamment sauvegardé la mémoire d'un des plus grands guerriers Protoss de l'histoire Protoss, c'est Phoenix. Lors de la mort de Phoenix, lorsque son corps physique a été détruit et du coup ils en ont profité pour le remettre, enfin pendant ce temps en parallèle pour le réhabiliter en Phoenix, qui est un rituel, un processus standard je dirais chez les Protoss, eh bien ils en ont profité pour copier ses souvenirs pour essayer d'en faire un purificateur également. Donc le Phoenix que l'on connaît est mort dans Starcraft 1 à Broudoir, tué par Kerrigan, mais ils en ont fait une copie purificateur. Je vais tout de suite, je spoil un petit peu, mais je vais dire tout de suite parce que le problème c'est que beaucoup de joueurs du coup, beaucoup de gens confondent Phoenix et Talandar. Parce que comme il s'appelle Phoenix, bah les gens se disent bah c'est Phoenix, mais c'est pas Phoenix. Et dans la campagne, à un moment donné, comme c'est un être synthétique certes, mais doué de conscience, eh bien il va se dire qui suis-je, qu'est-ce que je vais faire, etc. Comme n'importe quel thème de science-fiction sur l'intelligence artificielle. Et du coup il va se renommer puisqu'il considère qu'il n'est pas Phoenix, même s'il a les souvenirs de Phoenix, qu'il a la psychologie de Phoenix. À 99% il est fidèle à la copie, on va dire, c'est une copie quasiment parfaite de Phoenix à 99%. Eh bien, comme le dit Artanis, c'est un point de pourcentage, enfin c'est ce 1% pourrait changer tout en fait, pourrait tout changer, et du coup il va se renommer Talandar. Donc le Phoenix que vous connaissez de Legacy of the Void s'appelle Talandar, pas Phoenix. Phoenix, il est mort à Broudoir. D'accord ? C'est juste, voilà, c'est important parce que sinon les gens confondent beaucoup et malheureusement dans Starcraft 2, dans le commandant coop, etc., il s'appelle Phoenix. Non, c'est Talandar. D'ailleurs, même dans le commandant coop, vous pouvez faire une recherche où il dit mon nom est Talandar. Donc voilà, c'était pour le rappel, pour que quand je vais dire Talandar, vous soyez pas perdus. Et ça fait encore deux noms, j'en suis désolé. Du coup, eh bien, on va aller sur le site de Renaissance, à savoir une base de recherche située sur la planète Glacius. Planète Glacius, vous n'êtes pas obligé de la retenir, mais si vous voulez plus d'infos, eh bien, vous pouvez la retenir. Donc, le projet de Renaissance purificateur, du programme purificateur, est ici. Et Roanna va reprocher la décision d'Artanis de faire appel à ce programme, puisque, eh bien, elle a les souvenirs, du coup, de ceux qui ont des familles, de ceux qui ont été massacrés, etc., donc, sur une autre colonie. Donc, eh bien, elle est très contre le retour justement des Purifiers. Sauf qu'Artanis le dit lui-même, on est dos au mur. Amon a repris le contrôle de l'armada dorée, de la flotte de l'armada dorée, a repris le contrôle de tous les Protoss de l'invasion d'Ahur, a repris le contrôle d'une bonne partie de l'essaim Zerg, et a repris le contrôle même de vaisseaux et de flottes Terran de la fondation Mobius, donc qui est devenu le contingent Mobius. Donc, on va dire, on est en besoin d'avoir de nouvelles troupes et de nouvelles armes. Donc Artanis veut justement aller sur Glacius pour récupérer la technologie, l'arsenal militaire qui avait été sauvegardé datant de la technologie, de l'époque des Purifiers. Maintenant Glacius est plus récent, hein, comme je l'ai dit, c'est la deuxième génération. Et au final, à ce moment-là, eh bien Artanis va enfin être confronté au Tal'Darim. Et c'est pas n'importe qui dirige l'assaut des Tal'Darim, puisque Amon a envoyé les Tal'Darim, je rappelle, hein, je vous l'avais dit, le haut seigneur, donc le chef des Tal'Darim, qui est Malash, avait reçu les ordres d'Amon, et ben dans ces ordres-là, c'est détruit Glacius, puisqu'il a des informations aussi de Selendis, puisqu'il est dans le Kala, il a aussi accès à plein d'informations, et il a eu vent du coup de Glacius, et grâce à ça, et bien il va demander aux Tal'Darim de détruire le complexe de Glacius. Malash va envoyer son bras droit, à savoir Alarak, qui est le premier aspirant. Donc le premier aspirant, c'est le numéro 2 en fait, hein, de la société. Au seigneur, premier aspirant, deuxième aspirant, troisième aspirant, etc., etc. Alarak, du coup, premier aspirant des Tal'Darim, va avec une partie, donc avec sa flotte, qu'on appelle flotte de mort. Les Tal'Darim, ils ont des jolis petits noms, hein, pour leur flotte. Donc c'est une flotte de mort. Et avec la flotte de mort, eh bien, il va attaquer le complexe de Glacius.
Et au final, les Protoss d'Artanis vont réussir. Donc Artanis va réussir à tout simplement sauver. Enfin, il va sauver les informations, les bases de données. Et notamment un noyau de données. Un noyau de données tout simplement Purifiers. Avant qu'Alarak puisse détruire tout le complexe. Mais finalement, Alarak va détruire tout le complexe, mais Artanis va pouvoir sauver ce noyau de données à temps. Dans le noyau de données, eh bien, il y aura aussi un guerrier qui était un prototype qui était dedans. Et tout simplement, eh bien, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est Talandar, le phénix reprogrammé, le phénix synthétique qui est fait. Et j'avoue que c'est toujours un peu compliqué parce que vous avez le Protoss vivant, vous avez le Dragoon où on met un cadavre ou un Protoss très très mal en point dans un aquarium. Les dragoons, hein, parce qu'ils sont... Côté synthétique, véritablement synthétique. C'est un robot, en fait. C'est un robot, mais doué de conscience. Et du coup, eh bien, ce robot, le cœur technologique Purifier, eh bien, c'est Phoenix. Ce qui permet à Karax de récupérer aussi pas mal d'informations pour créer de son côté aussi d'autres Purifiers. Mais il a, donc avec les souvenirs d'anciens guerriers et autres, et celui qui va diriger cette troupe-là, eh bien c'est Talandar. Alors le problème c'est qu'au départ, l'échange est un peu étrange, puisque lorsqu'ils activent Talandar, Talandar se prend pour Phoenix, donc il dit « Ah salut, je suis Phoenix, comment ça va ?» Artanis et Karak sont là... Malaise. Malaise. Non mais ils savent pas trop, Artanis, bah, il était très triste d'avoir perdu Phoenix, il avait voulu venger d'ailleurs la mort de Phoenix contre Kerrigan pendant Brood War. Et là, il tombe nez à nez avec Phoenix, avec qui il était très ami et qui était un de ses frères d'armes. Donc, c'est très étrange ce moment, très très étrange. Et Phoenix, lui, bah, en fait, il a les souvenirs... Alors, il n'a pas les souvenirs de Phoenix en Dragoon. Il a les souvenirs du Phoenix vivant, qui est mort à Antioche, du coup, sur Aigur. Du coup, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Et l'échange est très étrange. Et Karax, du coup, essaye de... Comme c'est un savant, un ingénieur, il essaye de trouver un peu plus d'informations sur Talandar. Et Talandar, lui, il est en mode il connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Lui, c'est un guerrier et il sait juste qu'on l'a reprogrammé. Il pense être en Dragoon, en fait, normal. Il pense avoir été remis en Dragoon. Et il se rend pas compte qu'il est un robot, en fait. Et au final, il y a ce moment-là où justement il explique que c'est Aldaris, encore lui, qui a justement été à qui on a chargé de faire renaître le programme Purifier deuxième génération. Donc c'est là où on a plus d'informations comme quoi c'est Aldaris, mais pour le moment c'est vrai qu'on sait pas trop ce qui se passe. La clé Xel'Naga va être examinée et pendant ce temps par Karax, et Karax va découvrir que la clé Xel'Naga est à la fois une clé philosophique qui sera l'outil qui permettra aux Protoss de se libérer d'Amon et de vaincre Amon, mais est également une clé au sens littéral, c'est-à-dire qu'elle va permettre d'ouvrir un complexe, permettre d'ouvrir un point très important. Ce bâtiment, enfin cet endroit s'appelle Ulnar. C'est tout simplement une espèce de vaisseau-monde. Alors je vous ai dit 75 km, hein, la lance d'Adun, qui est du coup le plus grand vaisseau de l'univers de Starcraft. Eh bien, nous avons Ulnar. Ulnar à la taille quasiment d'une planète, d'une planète naine, donc une petite planète, mais une planète. Donc c'est sûr que quand vous voyez la lance d'Adun à côté d'Ulnar, où Ulnar est censé être gigantesque, bah la lance d'Adun vous dites waouh, c'est juste un gros porte-nef quoi. Mais non 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 non, c'est juste qu'Ulnar est gigantesque. Et Ulnar est dans un... Alors, je vais vous passer les détails, mais Ulnar est dans un endroit qui est censé être impossible en fait pour n'importe quel être doué de conscience, enfin n'importe quel être humain ou être autre, hein, Protoss ou Zerg, de s'y trouver. C'est une aberration scientifique. Et au final, eh bien, dans cet endroit, réside Ulnar. Et Ulnar est tout simplement le berceau de toute vie, le vaisseau-monde Xel'Naga, où les Xel'Naga ont lancé les cycles de le cycle éternel, le cycle de régénération, etc. Où ils font en sorte que les êtres, les êtres, on va dire, parfaits d'essence et de forme vont se regrouper pour former la nouvelle génération de Xel'Naga, etc. etc. Donc, au final... Les Protoss, je le rappelle, se considèrent comme les premiers-nés, donc les fils d'Exelnaga, quand ils voient Ulnar, qui est un endroit mythologique, quand ils voient ça, ils sont en mode « Oh !» Mais enfin, ils sont bouche bée. Du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très important, et c'est l'endroit où les êtres vivants sont censés faire l'ascension en tant que Xel'Naga. Donc c'est un endroit sacré pour les Protoss, évidemment. Et au sein d'Ulnar, donc Artanis va aller dans Ulnar pour pouvoir
essayer de réveiller les Xel'Naga, puisque selon Zeratul, c'est l'endroit où justement les Xel'Naga pourraient se réveiller, enfin, où les Xel'Naga sont censés être endormis en attendant que les races mortelles puissent les réveiller, et c'est la clé qui servira au réveil des Xel'Naga. Donc Artanis va dans cet endroit sacré, faire ce pèlerinage, et dans le temple, il tombe sur Kerrigan. Alors je vous ai pas mis cette cinématique là, je sais vous êtes déçus parce qu'elle est très bien cette cinématique, mais faut que je fasse un choix, sinon la vidéo fait 10 000 heures. Et du coup, Artanis va tomber sur justement des espèces de tablettes qui sont un peu les mêmes que celles que Zeratul avait eues, où on voyait justement la pureté de forme et la pureté d'essence, la pureté de forme, les Protoss, et la pureté d'essence, les Ergs, qui se regroupent pour former la nouvelle génération de Xel'Naga. En l'occurrence, il voit encore une inscription où on voit Kerrigan, donc c'est vrai que, je rappelle que pour Artanis, c'est vrai que c'est un peu oublié dans Legacy of the Void, mais Artanis s'est fait trahir par Kerrigan, pas une fois mais plusieurs fois dans Brodoir. Et ils ont pu eu d'échanges entre les deux. Et pour les Protoss, les femmes Terran, c'est quelque chose, c'est de la saloperie quoi. M'adresse pas la parole, hérétique démon quoi. C'est quelque chose comme ça, parce que la seule véritablement femme Terran qu'ils connaissent, les Protoss, c'est Kerrigan. Donc il y a un fort ressentiment à l'égard de Kerrigan. Et Zeratul est passé au-delà de ça, puisqu'il a découvert la prophétie, tout ça, tout ça. Artanis, lui, son contact avec Kerrigan, le son dernier, c'est vous n'avez pas le mot magique. Et c'est Kerrigan, bien sûr, qui dit ça. Donc Artanis, c'est vrai que est très méfiant à l'égard de Kerrigan. Et au départ, il veut se battre avec Kerrigan. Et Kerrigan est aux prises avec un hybride qui est également la représentation d'Amon. Et du coup, c'est deux ennemis d'Artanis. Et Artanis va, c'est assez bien fait dans la cinématique, va voir la tablette et revoir en fait, qui est juste derrière lui, et revoit en fait le moment, enfin revoit Kerrigan, comme l'a dit Zeratul, Kerrigan est la clé également pour la survie. Donc finalement il va ranger les armes et il va se battre aux côtés de Kerrigan. Les deux ensemble donc vont venir à bout, là c'est vraiment la mission de Xel'Naga, ils vont venir à bout de plein d'épreuves, et notamment d'hybrides aussi qui sont envoyés par Amon pour avancer. Artanis représentant la pureté de forme, Kerrigan représentant la pureté d'essence. Alors on verra dans la partie 2, Kerrigan ne représente pas que la pureté d'essence, mais c'est les deux justement, les deux élus, les deux peuples élus qui devraient former la nouvelle génération de Xel'Naga. Et donc à ce moment-là, ils vont affronter ensemble les hybrides et ils vont tomber au cœur du Lunar, à l'endroit où sont les Xel'Naga tout simplement. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Les Xel'Naga. Non. Ils sont morts, Artanis. Alors là, cette thématique est assez intéressante. Alors, c'est vrai qu'Amon passe pour un peu un... parfois un méchant un peu débile, mais c'est logique étant donné que Amon est surpuissant. Donc forcément, comme un méchant surpuissant, eh bien, il raconte ses plans. Et ce qui est assez intéressant, mal dit parfois, je pense, mal dit, et c'est en le rejoignant plusieurs fois que tu comprends un peu plus le truc, mais en fait, il essaye de faire douter Artanis. Sauf que ça marche pas. Mais du coup, c'est vraiment le « Ah, je suis le gros méchant, je vais te vaincre !» Puis souvent, les mots d'Amon, c'est
c'est le, je suis le grand méchant, je vais te bouffer, etc., etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est justement, ça fait l'écho, c'est dans ces rapports-là qu'il a avec Amon, qu'on se rend compte qu'Artanis prend de plus en plus confiance en lui. Et là, Amon lui montre l'image, lui montre par la pensée, lui parle par télépathie, et lui montre justement qu'il est en train de se fabriquer un corps. Quand il lui dit ta race joue enfin son office, c'est il y a plein de protos qui sont assimilés dans des cubes, dans des cuves pardon, de cubes aussi, et qui vont permettre de créer une espèce de giga hybride qui sera l'avatar d'Amon, où il pourra transférer sa conscience dans ce corps, dans ce nouveau corps, puisque bah, il a des ergues à profusion sous la main et il va avoir des protos et ils font une espèce de gigantesque hybride. Je le rappelle aussi, puisque c'est vrai qu'il y a souvent cette confusion qui est faite, ça c'est un problème du gameplay je dirais, du jeu, mais les hybrides, c'est vrai que quand vous jouez à StarCraft, vous en détruisez par paquet de 17 des hybrides, mais il y a plusieurs variétés d'hybrides, il y a plusieurs types d'hybrides. Et l'hybride que Kerrigan et Artanis affrontent, c'est censé être le numéro 2, quoi. C'est censé être très 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 puissant. Et d'ailleurs dans l'émission d'Earth of the Swarm, vous avez des missions où vous voyez Kerrigan en chie de ouf contre les hybrides. Mais il y a plusieurs, encore une fois, il y a plusieurs variétés d'hybrides, et le gameplay fait qu'il y a on affronte pas mal d'hybrides, et il y a que, je crois, 3 ou 4 modèles différents d'hybrides, je suis même pas sûr, je crois qu'il y en a 4, je crois qu'il y en a que 3, il y a l'aérien, le psychique et le guerrier, je crois. Il y en a peut-être un quatrième, un méga gros, mais du coup, il y a quoi, 4 variétés d'hybrides, c'est vrai que ça manque un petit peu de ce côté-là, mais en attendant, eh bien, on va avoir ce combat-là, et en fait, eh bien, Artanis et Kerrigan sont tombés dans une embuscade, puisqu'il y a plein d'hybrides qui les attendent, et là, vous avez vraiment l'idée, c'est l'idée de une attaque, je dirais, du point de vue psychologique. Amon montre que sa race, donc ses propres soldats, ses propres guerriers, eh bien, c'est Artanis qui les envoyait à l'abattoir lors de l'invasion d'Ayur. Amon s'en sert pour faire son nouveau corps, qu'il a quasiment abouti, donc il est en mode tu pourras rien faire pour m'arrêter et je vais détruire toute vie dans le système. Et en plus de ça, il montre que le seul espoir des Protoss, le seul espoir véhiculé, notamment par Zeratul, eh bien il est inexistant, puisque il assiste lui-même à des Xel'Naga, il voit les Xel'Naga morts. Donc au final, c'est vrai qu'Amon attaque d'un point de vue psychologique Artanis, mais ça ne fonctionne pas. Pendant ce temps, l'un des personnages les plus intéressants de Legacy of the Void se téléporte sur le pont de la lance d'Adun. Alors, Alarak, c'est vrai que c'est le Dark Sasuke personnage, c'est le Kikulol personnage, puisque il représente énormément les Sith, hein, un petit peu grosse inspiration des Sith de Star Wars, avec le côté, même d'ailleurs les Sith au sang pur quasiment, hein, puisque c'est une espèce de mec ultra vénère qui ne fonctionne que par la force, avec des lames rouges et le code couleur rouge. C'est vrai que il est méga badass, et je sais qu'il y en a qui parfois sont un peu réfractaires à Alarak en mode ouais, c'est un Sith quoi, c'est vraiment un Sith. Mais honnêtement, il est quand même super drôle, il est super intéressant, puisqu'il est très profond. C'est quelqu'un de très intelligent, très... on va dire, c'est quelqu'un qui à la fois qui respecte la force brute, mais est également très réfléchi et est un profond manipulateur. Donc c'est ça qui fait aussi... D'un côté, c'est le badass facile, le code noir et rouge, bah ça marche tout le temps. Et d'un autre côté, il est quand même vachement bien travaillé ce personnage. Et du coup, moi je trouve que c'est un personnage très intéressant, Alarak, qui est arrivé sur le tard, hein, il est arrivé à la fin de StarCraft 2. Et il aura probablement un rôle à jouer, et ça j'en reparlerai dans la partie 2, mais dans le futur de StarCraft. En tout cas, il se téléporte sur la lance d'Adun, et je rappelle que Artanis est dans le temple. Du coup, sur la lance d'Adun, bah, il n'y a aucun contact. Ulnar, c'est dans une anomalie, comme je l'ai dit, c'est dans une anomalie physique. Donc c'est vrai que bah, ils ont pas de contact avec Artanis. Et au final, il y a toute la flotte Tal'Darim qui attendait en embuscade dans Ulnar, donc Kerrigan et Artanis. Parce que je rappelle aussi, Kerrigan, certains se sont dit « Ouais, elle se téléporte à Ulnar, on sait pas ce qu'elle fout là. » Oubliez pas que Kerrigan, elle a eu accès à pas mal d'informations, que elle aussi, de son côté, Zeratul lui a transmis des informations, et à la fin de la campagne, à la fin de la cinématique d'Earth of the Swarm, Kerrigan parcourt les étoiles en recherche de moyens aussi pour pouvoir vaincre Amon. Et notamment, eh bien, elle va rencontrer dans un des complexes Zeratul qui va faire aussi ces mêmes choses. Donc elle a pas mal d'informations, Kerrigan. Et elle-même avait déjà lancé son attaque contre Amon. Donc au final, faut pas... C'est vrai que comme on est centré sur la vision des Protoss, on en oublie que Kerrigan fait ses trucs dans son coin aussi. Et en l'occurrence, donc c'est Alarak qui va informer Vorazun et le reste de l'équipage de la lance d'Adun de l'embuscade tendue par Amon dans Ulnar.
Et on va tomber sur une cinématique qui est super, super, enfin vraiment bien montée, mais aussi très rigolote. Patriarche, un énorme pic d'énergie du vide a été enregistré dans le temple. Ciblez les puissants. Le piège d'Amon s'est refermé. Votre chef est en grand danger. Nous croyez-vous stupides? Oui, mais là n'est pas la question. Ce qui importe, c'est qu'Amon a ouvert un portail vers le vide. De sombres énergies s'en échappent, et elles consumeront votre précieux chef, ainsi que tous ceux qui s'opposent à Amon. Je peux vous guider à Ardanis avant que le pire ne se produise. Si nous faisons preuve d'audace, nous pourrons mettre un terme à l'assaut du Dieu Noir. Devrais-je croire que votre lame ne sera pas fichée entre mes omoplates à l'instant où vous serez libre? Vous gaspillez votre temps. Baissez vos lames. Je suis Alarak, premier aspirant des Tadarim. Amon a trahi mon peuple. Vengeance sera faite pour cet affront. Et si votre hiérarque survit, il vous y aidera. Prenez une décision. Voilà qui est avisé. Alors justement, moi cette cinématique, je l'ai mise, je l'avais pas prévue au départ et je me suis dit non franchement il faut de la mettre parce que cet échange nous montre la personnalité d'Alarak, mais également au premier plan Vorazun, puisque en l'absence d'Artanis c'est Vorazun qui prend le commandement, grande confiance d'Artanis à l'égard de Vorazun. J'en ai pas trop parlé, mais Vorazun a été un adversaire politique dans la hiérarchie, au sein du conseil crépusculaire. Vorazun en tant que protectrice et gardienne des traditions Nerazim, eh bien c'est souvent opposé au niveau politique aux décisions prises par Artanis. Donc pendant très longtemps Artanis a vu en Vorazun un adversaire politique, mais au final il y a une énorme confiance et un respect mutuel entre les deux, et c'est vrai que c'est aussi un moment qui met énormément en avant Vorazun, qui en a bien besoin je trouve, et c'est vrai que Vorazun est super intéressante. On voit que bien sûr cette thématique est là pour nous montrer qu'Alarak rigole zéro, il se libère de sa stase, il arrive à gérer en 1v1 Vorazun, enfin on voit qu'Alarak il rigole pas. Mais d'un autre côté, on nous montre que Vorazun rigole pas non plus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que en plus de nous présenter Alarak, en plus de nous présenter le fonctionnement des Tal'Darim, en plus de nous présenter le rapport Tal'Darim-Amon, eh bien, on nous présente également une dualité qui va être présente dans Legacy of the Void, une nouvelle thématique, c'est la rivalité entre les Nerazim, les Templiers Noirs, et les Tal'Darim. Alors, c'est pas une grosse rivalité, mais ça va être un sous-arc en fait qui va être présent, et ce qui est assez intéressant c'est qu'il va y avoir une évolution philosophique et qui va faire aussi office de rapprochement entre Vorazun et Artanis, puisque dans leurs différentes conversations eh bien Vorazun jugera avec beaucoup de mépris les Tal'Darim en disant que c'est des traîtres, on peut pas leur faire confiance, etc. Leurs méthodes sont brutales, puisque bah, je rappelle c'est très méritocratique hein, le système Tal'Darim. J'ai fait une vidéo sur les Tal'Darim et également la nouvelle sur Alarak que je vous conseille très fortement pour comprendre. Encore une fois, je vais pas partir dans tous les sens, mais Legacy of the Void, même sans avoir on va dire récupéré l'univers étendu, vous n'êtes pas perdu. Il y a beaucoup d'informations, vous allez pouvoir avancer, etc. Là où l'univers étendu est très bon, c'est qu'il n'est pas obligatoire, il est rappelé dans Legacy of the Void, donc on nous le représente pour que même si vous ne l'ayez pas consulté, vous n'êtes pas perdu. Mais par contre, si vous l'avez consulté, bah, Legacy of the Void prend une nouvelle dimension et prend une ampleur plus grande, je trouve. Et c'est ça, bien fait. Un bon univers étendu, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je vous invite fortement à rejouer Legacy of the Void une fois que vous avez consulté tout l'univers étendu. Et du coup, cet arc-là est assez intéressant parce que dans les différentes conversations entre Vorazun et Artanis, on verra que au final Artanis fait un miroir, tend un miroir à Vorazun en lui disant mais
Est-ce que tu te rends compte que ta manière d'aborder la civilisation Tal'Darim, très brutale, très méritocratique, où c'est par le combat qu'on monte dans la société, eh bien, c'est une autre manière de penser, c'est une autre culture, et tu juges cette culture, alors que d'un autre côté, tu reproches nos ancêtres et nous-mêmes, tu nous reproches d'avoir jugé votre culture de barbare et de traditionnel. Donc tu es en train de reporter ça sur une autre culture. Et les thématiques sont vraiment d'actualité, encore une fois, au niveau du racisme, du communautarisme, etc. Et du coup, il y a des échanges très intéressants, très philosophiques. Hein. Les Protoss, c'est très très philosophique aussi, et il y a des échanges très intéressants dans la campagne de Legacy of the Void à ce niveau-là. Et il y aura une grosse rivalité entre Vorazun et Alarak, et dans une des émissions, j'en parlerai dans la partie 2, eh bien on verra Alarak et Vorazun qui combattront ensemble, et ils nous montrent les deux qui rigolent pas du tout. Donc voilà, c'est la création aussi d'une rivalité. Donc, grâce aux informations d'Alarak, Artanis et Kerrigan vont être sauvés par Vorazun, qui va envoyer des forces, qui va dépêcher des forces des lames pour pouvoir les aider. L'embuscade est déjouée. Kerrigan va servir de bouclier. Elle va utiliser son essaim pour pouvoir pouvoir résister aux assauts des Xel'Naga, enfin pardon, d'Amon et des forces d'Amon. Pendant que Artanis va mener l'attaque, sera la lance, sera l'épée, pour pouvoir fermer le portail d'Ulnar qui mène au vide et qui est utilisé par Amon pour envoyer de toujours plus de troupes. Donc au final, l'union des Protoss et des Zergs va, en tout cas, contrecarrer les plans d'Amon temporairement. Finalement, donc Kerrigan va avoir un échange très intéressant avec Artanis où, en gros, elle explique que de son côté, elle va devoir réassembler les saints, récupérer toutes les forces de les saints. Donc il faut y voir là qu'on va réassembler toutes les forces de l'essaim, donc ça veut dire réappeler Stukov, réappeler Kerrigan, réappeler Dehakar, réappeler etc. pour reconstituer l'essaim et être prêt lors de l'attaque, lors des assauts d'Amon, se battre de son côté. Et Kerrigan va donner un conseil à Artanis, parce qu'Artanis dit on n'a pas les forces suffisantes pour tenir contre Amon, et Kerrigan lui dira tu auras besoin de faire des alliés, fais comme moi, salis-toi les mains Artanis. Là c'est Kerrigan, elle a les mains très très sales pour le coup, Kerrigan, et elle dit fais comme moi, il faut te salir les mains et constitue-toi des alliés, même parfois s'ils sont affronte-les, balais, assimile-les, donc le côté très ergue, assimile-les. Et Artanis dit bon, on n'a pas vraiment la même manière de concevoir les choses, mais il y a un rapprochement, là c'est assez intéressant parce qu'ils ont toujours été opposés, et c'est le petit court dialogue qui montre un rapprochement entre Artanis et Kerrigan dans ces épreuves. Et à ce moment-là, du coup, il y a le conseil militaire qui va se rassembler, donc Vorazun, Talandar, Rohanna, Artanis, et du coup Alarak qui se joint à la bande, et Karrax. Et Alarak se joint à la bande, et Alarak explique alors pourquoi il a choisi de trahir Amon, puisque je le rappelle qu'il est le premier aspirant des Tal'Darim, donc il est censé être le bras droit du haut seigneur des Tal'Darim, à savoir Malash. Donc il est censé être le bras armé d'Amon, et il a choisi de le trahir volontairement. Donc il explique que justement, Amon, en tant que déité, en tant que dieu des Tal'Darim, a trahi, il a découvert en faisant son enquête, hein, et notamment grâce à son... Bon, je vais pas donner le nom là, mais grâce à son mentor, allez voir la nouvelle sur Alarak, qui est super intéressante, et bien grâce à son mentor, il avait déjà des soupçons concernant Amon, il a enquêté de son côté, et il a découvert qu'Amon, effectivement, n'avait aucun plan pour les Tal'Darim. Je rappelle que les Tal'Darim, c'est censé être les élus, donc à la fin des temps, ils devraient se sublimer et faire l'ascension pour devenir les futurs Xel'Naga qui serviront sous Amon. Et en fait, il se rend compte que ça, c'était un mensonge depuis le début. Amon s'en fout complètement des Tal'Darim, il va les utiliser. Et à la fin des temps, eh bien, que soient les Zergs qui étaient dirigés par l'Overmind et les Tal'Darim, en fait, à la fin, il n'y aura aucun futur pour les Zergs, aucun futur pour les Tal'Darim. Donc, tout le monde sera tué. Donc, Alarak ne veut pas de ça et considère qu'il a été trahi, leur propre dieu les a trahis. Il y a vraiment cette approche là, encore une fois je le redis, mais le rapport Xel'Naga-Proto c'est très important parce qu'il y a ce côté sacré, il y a vraiment ce côté très très sacré, le côté nous sommes les enfants de nos créateurs. Du coup, on s'en rend peut-être pas assez bien compte, mais Alarak il a la haine, il vient de découvrir que son dieu c'est un faux dieu et l'a menti. Et ça pour ceux qui connaissent Warhammer 40 000, ça c'est un thème qui normalement doit vous parler. Mais du coup il considère Amon comme le faux dieu et il fera tout pour se venger. Surtout qu'une société aussi militarisée et aussi brutale, t'apprends que tout ton code, toute ta civilisation était reposée sur la servitude de ton dieu et que ton dieu il s'est foutu de ta gueule. Tu le prends très mal, hein, tu le prends très mal et du coup il veut se venger. Donc Alarak veut justement prendre le contrôle des Tal'Darim et il va y avoir une réunion
du conseil militaire, du conseil des Délames. Sachant que pendant ce temps, des informations parviennent à Roana et à Vorazun, notamment les Nerazim qui enquêtent sur l'avancée de l'Armada Dorée, et au final on découvre que, grâce aux informations récoltées par les Templiers Noirs, on découvre que l'Armada Dorée, donc la flotte qui est maintenant sous le contrôle d'Amon, mais la flotte Protoss, la flotte d'invasion Protoss, dirigée par Urun et Selendis, eh bien, est en train de vitrifier les mondes habités du secteur de Copru. Donc c'est pas très rigolo. Alors malheureusement on ne le voit pas, c'est vrai qu'il manque une mission de sauvetage. Il manque une petite mission de sauvetage où on voit ce qui se passe. Parce que les lignes de dialogue c'est bien, mais le montrer c'est encore mieux. Et il manque une petite mission de sauvetage sur un monde en mode l'Armada Dorée est en train de vitrifier la planète, venez vite sauver une colonie de recherche Kalaï ou un truc comme ça. Et il manque une petite mission pour le montrer. Parce qu'on nous le dit plusieurs fois et j'avais oublié moi, c'est je me suis dit mais que fout l'Armada Dorée. Et c'est vrai que en fait... En refaisant le Legacy of the Void plusieurs fois, eh bien on se rend compte de ces petites lignes de dialogue et on suit l'avancement aussi parfois de la flotte des Protoss. Du coup, c'est assez intéressant à ce niveau-là et je tenais à le dire. Et d'ailleurs, lors du conseil de guerre, eh bien, Artanis rappelle qu'il est impossible d'affronter directement l'Armada Dorée. Donc on pourra pas mettre des bâtons dans les roues d'Amon à ce niveau-là. Alors bien sûr, il y a des évacuations qui se font, hein, des mondes Protoss et autres. Mais on peut, en tout cas, la lance d'Adun, si elle venait pour une mission, ce serait pour sauver les Protoss et se barrer. Elle pourrait pas faire d'autre chose. Or là, on a vraiment l'idée qu'on ne peut pas affronter directement l'Armada Dorée. S'ils viennent, c'est juste pour sauver les gens et partir tout de suite. Parce que l'Armada Dorée, c'est quand même une flotte immensément puissante, immensément nombreuse. Et du coup, même si la lance d'Adun a un armement de pointe, elle ne peut pas tenir face à une flotte aussi importante. Donc, il y a des nouveaux plans qui vont se constituer au sein du Conseil des Délames, comme vous le voyez ici. Phoenix, donc le Phoenix Talandar, va proposer tout simplement de libérer... les Purifiers, la première génération de Purifiers, qui a été maintenue en stase par le Conclave, bah ça pourrait faire des alliés de choix, de précieux alliés dans la guerre qui continue d'être menée. Et de l'autre côté, bah, y a Alarak qui dit, bah, moi, si vous m'aidez, je pourrais prendre le contrôle tout simplement des Tal'Darim. Et à ce moment-là, la flotte de mort Tal'Darim sera sous mon emprise, sera sous ma main, j'en deviendrai le chef, et on transformera des ennemis en alliés. Donc c'est le moment où Artanis va faire un choix et va prendre une décision. Alors ce que je trouve le plus logique, c'est qu'il aille d'abord libérer les Purifiers, puisque c'est, on va dire, on prend moins de risques à le faire. Et Slain, donc la planète capitale des Tal'Darim, il y a la flotte de mort, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus risqué. Donc ça me semble plus logique qu'ils aillent récupérer les Purifiers avant pour l'épreuve, on va dire... l'avant-épreuve ultime contre les Tal'Darim. Donc, au final, les Protoss vont aller autour, veulent récupérer Cybros, donc la plateforme orbitale où tous les Purifiers sont en stase. Hein, cette espèce de bulle violette, c'est pas un bouclier qui protège. Alors, ça protège aussi, mais c'est le bouclier de stase en fait. Hein, et ce bouclier de stase est maintenu par tout simplement la planète auquel Cybros tourne en orbite. Tout simplement, eh bien, c'est la planète Endion, donc on s'en fout hein, de la planète Endion, on s'en fout, hein, je la donne pour si vous voulez encore plus d'infos, mais on s'en fout un petit peu. Roana, encore une fois, désapprouve évidemment, puisqu'elle rappelle que ces Purifiers-là sont en stase. La dernière chose dont ils se souviennent, c'est que le Conclave les a arrêtés, les a confinés et les a forcés à être en stase, et que la dernière chose qu'ils ont fait, c'est buter des Protoss. Donc... Roana désapprouve énormément le fait qu'on doive libérer les Purifiers. Artanis dit que justement, ils sont suffisamment battus avec Talandar pour savoir que, au final, ces formes synthétiques pourraient justement s'avérer de précieux alliés dans la guerre qui est en cours. Donc, on a besoin d'alliés et on va devoir les libérer. Par contre, si on les libère, il va falloir qu'on change notre manière d'aborder les choses. Talandar le rappelle, Roana le rappelle. Les Purifiers se sont rebellés parce qu'on les a traités comme des esclaves, comme des objets, comme des robots, et pas comme des êtres vivants. Donc, au final, il va falloir changer sa manière de penser les choses, sa manière de concevoir justement la vie, parce qu'il peut y avoir de la vie aussi synthétique. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que pour ce faire, il va falloir du coup aller sur Endion directement, qui est bien sûr infesté de Zerg. Il va falloir aller sur Endion et... libérer la stase, hein, détruire les générateurs de stase
pour pouvoir libérer Cybros. Donc Artanis avec Talandar vont aller directement sur Endion, ils vont désactiver la stase en battant toutes les armées Zerg sur place. Ils vont faire le point aussi puisque c'était un complexe Endion était un complexe de recherche avancée pour les Protoss, et du coup ils vont remettre la main aussi sur pas mal d'arsenal Protoss, notamment d'autres colosses qui sont également des vieux outils militaires de l'époque. Il y avait déjà des colosses dans l'armée d'Artanis, mais ils sont tombés aux mains d'Amon avec l'invasion d'ailleurs. Donc là, ils récupèrent des nouveaux colosses qui datent de l'époque des Purifiers première génération, tout simplement. Donc l'âge d'or Protoss. Sachant, je vais pas refaire un point sur les colosses, mais les colosses avaient été mis de côté, mais j'en reparlerai probablement dans une autre vidéo. En acceptant donc les Purifiers comme des êtres à part et non des machines, c'est ce que prévient Talandar, parce que sinon, ils vont de nouveau se rebeller. Au final, ils vont libérer deux stases. Le problème, c'est qu'en désactivant le bouclier de stase autour de Cybros, ça fait que l'essaim Zerg peut attaquer justement directement Cybros pour essayer de détruire la plateforme orbitale. Donc Artanis et les Delam vont tout simplement aller aider les Purifiers sur Cybros. Et au bout de dans ce combat, les Purifiers vont voir justement que les Delam, donc que les premiers-nés se battent avec ardeur pour essayer de les protéger, ça suffit pas. Ça, c'est assez bien fait, c'est que ça ne suffit pas. On aurait pu dire que juste ce combat-là allait suffire finalement à faire en sorte que le lien de confiance se rétablisse. Non, c'est une première étape. Les Purifiers constatent que au final, les premiers-nés, donc les Protoss, respectent et veuillent les défendre, mais ils ont peur de se faire manipuler par la suite et de retomber dans les esclaves. Alors ce qui est intéressant, c'est quand Cybros se réactive, ils vont en profiter pour vitrifier Endion. Donc Cybros s'active parce que c'est une plateforme orbitale, comme tous les vaisseaux Protoss, ils sont capables de vitrifier les planètes, et ils vitrifient la planète de manière assez vénère, et du coup la menace Zerg est totalement éradiquée d'Endion et de Cybros. À ce moment là il va y avoir un échange bien sûr entre les grands Purifiers et Artanis. Alors ce qui est intéressant, c'est que ils sont tous les Purifiers, comme je l'ai dit, je ferai une vidéo vraiment à part sur les Purifiers, mais en fait les Purifiers ont une espèce de Kala synthétique, un Kala vraiment un internet pour le coup, là c'est vraiment internet, un Kala synthétique où chaque être, parce qu'en fait c'est une intelligence artificielle, mais il y a un noyau central qui regroupe toutes les bases de données, mais au final malgré tout chaque être, chaque entité Purifiers a sa propre identité, avec les propres souvenirs d'anciens héros Protoss ou d'anciens soldats Protoss qui ont été convertis en êtres synthétiques. Donc au final, ils ont également un système, c'est vraiment un système copié sur l'ancien système, alors on ne sait pas s'il y a un système de caste pour le coup, mais ils ont également un système très similaire à celui des Templiers, avec un exécuteur, avec des prélats, avec des prêteurs, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, Talandar va pouvoir se connecter à la base de données, il va pouvoir échanger directement avec, du coup, le grand exécuteur des Purifiers qui s'appelle Clolarion. Clolarion était un grand exécuteur de son vivant, et il a sa mémoire a été sauvegardée pour en faire un Purifiers. Et Clolarion était le grand exécuteur des Purifiers. Il va du coup pouvoir échanger avec Talandar, et il va du coup avoir accès aux souvenirs de Talandar, et se rendre compte qu'au final, Artanis semble être quelqu'un qui a une éthique, qui a une manière de concevoir les choses différente du conclave que Clolarion avait connu et contre lequel il s'était rebellé et battu. Donc il y a cet échange là, il veut vraiment essayer de tester, en plus des souvenirs, il veut tester Artanis. Il y a un échange avec Artanis, et dans cet échange, finalement Artanis va réussir à le convaincre, et il lui explique que Artanis lui laisse le choix. Si tu veux pas nous aider, reste dans ton coin, il n'y a pas de problème, on l'accepte, on va pas vous forcer, on va pas avoir le même traitement que le conclave avait eu avec vous. Le problème, c'est que Amon menace toute vie, qu'elle soit organique ou synthétique, donc vous faites ce que vous voulez, mais si vous restez dans votre coin, vous serez probablement anéanti. Donc voilà, vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre, mais maintenant sachez que vous serez probablement dans la merde un jour ou l'autre si vous venez pas nous aider. Donc Clolarion va réfléchir et va débattre, comme c'est des êtres synthétiques, ça va très très vite. Au final, les échanges de données vont très très vite, et c'est des ordinateurs au final. Et du coup, des ordinateurs Protoss, donc on est dans du très très vénère. Donc finalement, ils vont débattre, et à la fin, Clolarion va prendre une décision, va dire « Ok, on accepte de vous aider, par contre, vous n'avez pas intérêt à changer en fait votre rapport vis-à-vis de nous. Si vous essayez de nous prendre comme des esclaves, on se rebellera et on va vous éclater. » Donc le pacte est signé, et le problème, c'est que Clolarion, lui, il était sous stase pendant des milliers d'années, donc
il vient de découvrir les ergs, il sait pas trop comment ça fonctionne, il est perdu, et du coup, il va donner le commandement à Talandar, qui lui vient de se battre, il connaît toute la géopolitique actuelle, il connaît ce qui s'est passé, etc., il a été briefé et autres, donc il considère, Clolarion considère que Talandar est bien plus compétent à l'heure actuelle pour pouvoir diriger les forces Purifiers. Mais au final, Clolarion reste le dirigeant des Purifiers. Donc voilà, les Purifiers rejoignent les Delam, donc il y a une nouvelle communauté Protoss qui intègre l'Arche et qui intègre tout simplement les Delam, donc le corps uni de tous les Protoss, sachant que les Tal'Darim n'ont pas encore rejoint l'unité, mais on a déjà trois communautés. Les Kalai, les Templiers, les Protoss d'Aiur, les Nerazim, donc les Templiers Noirs, et maintenant les Purifiers, les Purificateurs de Talandar et Clolarion. Donc c'est à ce moment-là d'ailleurs que choisit Phénix, le dénommé Phénix, de se trouver un nouveau nom. Il considère qu'il n'est pas Phénix, il est un être à part, et en tant qu'être à part, eh bien, il doit se trouver une nouvelle identité. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au final, Artanis dit qu'il est à la hauteur du nom de Phénix, et Phénix serait honoré qu'il porte son nom par rapport à ses agissements et sa manière de se comporter. Mais au final, Talandar dit merci beaucoup, mais je ne suis pas Phénix, je suis quelqu'un d'autre. Et c'est à ce moment-là où il va se trouver un nom et il va s'appeler Talandar. Donc là, on est à la fin de la partie 1. On est déjà à 2h, mais fin de la partie 1, on va attaquer la partie 2 avec la fin de la campagne des Protoss de Legacy of the Void. Et l'épilogue, bien sûr, qui conclura la saga tout entière de StarCraft. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans les échanges, Alarak à ce moment-là dit... Ouais, c'est cool, vous avez... Et encore un échange philosophique très intéressant entre Alarak et Artanis, où c'est vraiment... deux manières de concevoir les choses et deux manières d'être chef qui s'opposent totalement. Et Artanis dans ces échanges essaye de tester Artanis parce qu'il considère que les Protoss sont des enfants, on va dire, sont pas des enfants mais ont des manières très naïves de concevoir les choses, et il essaye de leur entrer dedans et essaye souvent de tester la manière, le comportement, la psychologie d'Artanis et sa manière de se comporter tout simplement sur... est-ce que sa philosophie est en adéquation avec ses actes? Et du coup, Alarak parfois essaye de dire, si tu te soumets à ma volonté, t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout, etc. Et du coup, Artanis, il y a du clash entre les deux, mais au final, Alarak va au clash, mais très souvent, en fait... respecte Artanis et le dit lui-même dans ses mots petit à petit. Mais du coup il s'impatiente, il dit bon, c'est mignon là ce que tu fais avec les Purifiers, alors c'est très naïf de ta part de leur laisser leur libre arbitre, t'aurais dû les contrôler et parce que là si pourrait te mettre un coup dans le dos, il pourrait te dire on n'a pas envie de venir. Donc Alarak est très critique et a beaucoup de sarcasme à l'égard de ce que fait Artanis, et là maintenant il dit c'est l'heure d'aller sur Slain. Et c'est l'heure pour moi de diriger tous les Tal'Darim et de prendre ma revanche sur Amon. Et ça, on verra bien sûr ceci dans la partie 2 de Legacy of the Void. Fin de la partie 1, ça a été déjà très long, 2h30. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vivement la partie 2 évidemment, où on parlera de beaucoup de choses, et notamment l'épilogue qui a fait couler beaucoup d'encre sur StarCraft 2 et notamment Legacy of the Void. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner, j'espère que j'ai... La difficulté, je trouve, avec Legacy of the Void et avec les Protoss, c'est de réussir à véhiculer toutes les émotions que donnent les Protoss. Et c'est pour ça que je vous invite très fortement à suivre l'univers étendu. Les nouvelles, bien que quasiment introuvables sur Internet maintenant en français, c'est pour ça aussi que je les lis, etc., en vidéo sur ma chaîne. Mais je vous invite à aller consulter également la BD qui, elle, par contre, est toujours trouvable. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous avez également accès... Alors c'est un peu dur de les trouver, mais la saga du Templier Noir. La Reine des Lames, pour le coup, est assez facile à trouver, si je dis pas de bêtises. Et on voit un petit peu Tassadar, comment Tassadar et Zeratul fonctionnent. Des fois, il y a des trucs qui sont un peu mal faits, mais globalement, le livre est assez bon. Même s'il y a des trucs qui m'ont un peu fait grincer des dents. Mais par exemple, la marche de l'ombre de Tassadar, elle vaut le coup. C'est un moment extrêmement badass, qui est très très cool. Et où Zeratul est très très fier de Tassadar d'ailleurs, et de son apprenti on va dire. Et du coup, vraiment je pense que les Protoss, c'est vrai qu'en jeu vidéo c'est assez dur parfois de comprendre toute la richesse, toute la profondeur des différentes communautés Protoss. Donc voilà, bien sûr, jouez à StarCraft 1, jouez à StarCraft 2, mais aussi aller voir l'univers étendu pour comprendre un petit peu le niveau et l'émotion, toutes les émotions que peuvent véhiculer les Protoss. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, rendez-vous dans la partie 2 de Legacy of the Void. En attendant, on se dit... A plus dans le Nexus, n'hésitez pas à suivre la chaîne, tout ça, Facebook, Twitter, YouTube. Plein de bisous, abonnez-vous, à bientôt.